Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce live exceptionnel en compagnie de Maxime Oudou sur la chaîne Astro. Soyez les bienvenus. Salut Maxime, est-ce que tu m'entends? Salut Christophe, oui, je t'entends très bien. Voilà, alors dites-nous dans le chat ce que donne le son, si le son est bon. On espère que oui. Et donc on est ce soir pour Maxime. Il est quelle heure? Il est 4 h du matin, je crois, au Chili. Oui, il est 4 h du matin, oui. Voilà, alors que pour nous, il est 8 h, il y a 4 h de décalage horaire actuellement, mais comme on va passer à l'horaire d'été et que le Chili va passer en horaire d'hiver tôt ou tard d'ici peu, là, je crois qu'il va y avoir 6 h de décalage bientôt. Oui, donc on en profite. On en profite, c'est vraiment le bon moment, et puis ce soir, ben voilà, c'est la dernière nuit où le soleil se couche pas trop tard. Pour ceux qui voudront faire le marathon de Messier. Donc nous sommes actuellement à l'observatoire El Saucé, qui est un site d'hébergement de télescopes, hein, c'est ça? Vas-y, dis-nous un petit peu où tu te trouves, Maxime. Oui, c'est ça, c'est l'observatoire OBSTEC, donc à El Saucé, qui est au Chili. On est à peu près à 70 km environ de la ville de La Serena, donc au nord de Santiago. On est à 1700 mètres d'altitude, en plein milieu du désert chilien. Et depuis l'observatoire, on peut voir plusieurs observatoires professionnels. On voit l'observatoire Vera Rubin, par exemple, ex-LSST. Et les Gemini. Donc, nous sommes entourés d'observatoires professionnels. Voilà, une zone de ciel protégée, puisque le Chili s'est fait une vocation d'être on va dire, la fenêtre ouverte sur le ciel, voilà, pour le monde entier, puisque le Chili héberge nombre d'observatoires, la CIA, Las Campanas, Tololo, LSST, le VLT, le futur European Extremely Large Telescope. T'as aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, le radiotélescope géant. Alors lui, il est moins soumis à la question de la pollution lumineuse, peut-être un peu plus des perturbations de l'activité humaine au niveau électromagnétique. C'est ça, c'est l'ALMA, si je Voilà, ne me trompe l'ALMA. pas. Donc, ceci dit, un pays qui est fabuleux. Moi, j'y suis déjà allé 2 fois. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais voilà, donc là, tu es en train de nous montrer. Donc avec ton setup, c'est un Samyang 135, si je me trompe pas. Oui, c'est un Samyang 135 mm à f2. Et derrière, nous avons une petite caméra, une ASI 533 couleur. Donc c'est pour ça que vous avez des champs qui sont carrés, que le capteur est carré. Et là, il est ouvert à f2, donc en gros, il capte beaucoup de lumière pour le live, donc on pourra voir des choses rapidement et des belles choses, ouais. Alors voilà, là tu es en train de nous montrer avec un filtre biband. Donc là, l'image que vous voyez, c'est une image en temps réel. Qui est empilée, c'est ça? Même pas. Non, même C'est une pas. image unitaire. C'est une C'est une image image unitaire. unitaire. D'accord. C'est Bon. ça. Ouais. Alors tu nous démarres un petit peu l'empilement ou tu nous balades de dessus. Après, là, maintenant, c'est toi qui décides le programme. C'est toi qui connais un petit peu le Célestral. Tiens, on va s'amuser un tout petit peu. On va aller juste dans Stellarium en 2 secondes. Dans Stellarium, je vais vous montrer le malheur. Regardez cette constellation que vous avez devant vous. Eh ben non, c'est pas la Grande Ourse, c'est la constellation de la Vierge. Mais en fait, quand vous la regardez depuis l'hémisphère sud, elle ressemble à une casserole. Vous avez le Lion qui est carrément à l'envers. On n'est pas habitué à ça. Voilà la Balance là. Oh mince! Oh, le Scorpion, il a une drôle de forme. Et le Scorpion complètement à l'envers. On voit la Lune qui est dans le Sagittaire. On voit le Serpentaire qui est là, avec le serpent de part et d'autre. Et on n'est pas habitué, on a Hercule qui est à l'envers aussi, complètement au ras de l'horizon, alors que chez nous, il est vraiment en zénith, quoi. Voilà. Et par contre, quand on renverse la tête dans le sens inverse, alors pour nous, c'est inversé, bien sûr, pour Maxime, c'est les pieds sur Terre, et bien là, vous avez des constellations vraiment de l'hémisphère sud pur. Des constellations qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque déjà le sud, la partie sud du scorpion, par exemple l'amas de l'aile de papillon, bah ça c'est un truc qu'on ne peut pas trop voir depuis la France. Quoique c'est peut-être. Si, celui on peut peut-être le voir. Mais par exemple, vous avez le loup, l'autel, le télescope, la couronne australe, vous pouvez pas trop les voir. Le corbeau, ça c'est inhabituel, le corbeau se trouve. Voilà, passe par le zénith quand on est dans l'hémisphère sud. Et puis le triangle austral, la mouche.
La fameuse croix du Sud, alors la fameuse croix du Sud, où est-ce qu'elle se trouve? Poisson volant, les voiles. La croix du Elle Sud, elle est est... là. Voilà, la croix du Sud, elle est là. Voilà. Donc ça nous fait un ciel radicalement différent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans ce ciel de l'hémisphère sud. Et vous avez par exemple la carène, là, qui va être intéressante, on va en parler. Donc on va tout de On va la suite, voir. et sans plus attendre, rebasculer sur ta vue, là, et tu vas nous montrer un petit peu ce que tu nous montres. Voilà, tu vas nous expliquer. Ouais. Alors là, on va commencer par les objets qui vont se coucher, c'est-à-dire les objets qui sont vraiment très très bas sur l'horizon. Donc là, on a une vue partielle du grand nuage de Magellan, donc une des galaxies naines satellites. Enfin, on présume, il me semble, parce que c'est pas tout à fait confirmé. De notre galaxie à nous, la Voie lactée. Donc là, nous pouvons voir, alors si on dézoome un petit peu, une partie de la barre centrale du grand nuage de Magellan qu'on voit là. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette galaxie renferme beaucoup de nébuleuses, notamment une qui est très belle, c'est celle-ci, la nébuleuse de la Tarentule. Voilà. Qui est relativement grande. Donc, si on dézoome à nouveau, on s'aperçoit de sa taille par rapport au grand nuage de Magellan. Elle prend quand même quasiment, on pourrait dire à peu près un cinquième, un sixième de la longueur de la barre centrale. Et on en a beaucoup. Toutes les petites taches que vous voyez là, ce sont d'autres nébuleuses qui me semblent en tout cas appartenir au grand nuage de Magellan également. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, nous avons l'image qui a été prise par, il me semble, Ciel Austral, l'équipe de Ciel Austral, qui ont d'ailleurs un télescope ici à Aztec, où on voit toutes les nébuleuses et l'image est assez fantastique. Ouais, on voit beaucoup de choses. Il faut préciser quand même que le filtre que tu utilises là laisse passer donc l'H alpha qui est en rouge, Oui. l'oxygène 3 qui donne cette couleur un petit Oh. peu verdâtre, donc c'est C'est ça. l'oxygène, mais ça mate énormément les étoiles. Le nuage de Magellan est quand même très dense en étoiles, et donc là on donne pas complètement, j'ai envie de dire, hommage à la densité du nuage de Magellan que l'on peut voir à l'œil nu. Oui, on le voit très très bien à l'œil nu. Et alors pourquoi on a un filtre là? Parce que la Lune est présente, elle est levée là, à peu près à 30% de lumière. Et si je passais en couleur, malheureusement, on verrait un Enfin, petit peu moins bien les sans filtre, nébuleuses. Ouais, c'est ça. tu perdrais en contraste, en fait, énormément. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on filtre. Mais là, Ouais. ces nébulosités, c'est juste de la folie, quoi. Il y en a beaucoup. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en peu de temps, donc là, c'est de la pose unitaire. Je préfère vous montrer et te montrer, Christophe, du coup, de la pose unitaire plutôt que du live stacking parce qu'on a plus de signal d'un coup plutôt que d'attendre plus longtemps en live stacking. Et là, voilà, en une seule pose de 3 minutes, on est à F2, donc on a beaucoup, beaucoup de lumière qui arrive quand même. Mais on arrive à avoir ce résultat-là grâce au ciel du Chili, ouais, qui est très bon. Voilà, donc des galaxies qui sont en dimension apparente beaucoup plus grandes, par exemple, que la galaxie d'Andromède. Il faut vraiment Oui. se faire à l'idée. Là, on est sur plusieurs fois la taille de la pleine Lune, mais autant la galaxie d'Andromède, la partie que vous arrivez à voir, elle est plus petite que la pleine Lune, parce que c'est juste le bulbe central, en fait. Autant là, par contre, c'est énorme. Elle est vraiment très grande. Et on arrive à deviner un petit peu sa forme, en tout cas la barre centrale. Ouais, à l'œil nu, c'est assez impressionnant. Une paire de jumelles, c'est fantastique, par exemple. Alors, rappelle-moi juste dans quelle constellation c'est. Les nuages de... Alors, le grand nuage de Magellan, je ne sais pas Parce que je exactement. vais essayer de le trouver avec Oui, le Stellarium. Stellarium. Alors attends, j'ai Ouais. la carène, mais le problème c'est que le Stellarium a la bonne idée de ne pas nous mettre les vues de quand on est à large plan, en fait. Donc c'est vrai que ça aide D'accord. pas trop, quoi. Mais vas-y, vas-y, je te laisse continuer d'animer, de zoomer dedans, voir un petit peu les détails. En fait, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est montrer la même chose que toi, mais en zoomer, en fait, Oui. pour ça. Elles sont, enfin, le grand nuage de Magellan, c'est la constellation de la Dorade et de la Table. De la dorade et de la table. Ok, ça marche. Me dit Internet, hein. Avec les fantastiques noms Ah donnés ouais, ça. d'ailleurs aux constellations de l'hémisphère sud qui sont empruntés au vocabulaire de la navigation maritime et du mobilier et des accessoires sur les bateaux. Mais
Ça, on en a plein. Donc voilà, donc là, on a beaucoup de choses. Alors effectivement, ce soir, on a beaucoup de chance puisqu'on a une des personnes qui, d'ailleurs, possède plusieurs télescopes ici, qui s'appelle Mike Shelby. Vous connaissez peut-être puisque c'est un astrophotographe connu qui fait beaucoup de photos, qui publie notamment sur Astrobin, mais pas que, et qui nous prête un de ses instruments, donc l'Officina Stellare, un RH350. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les mêmes cibles, mais avec deux focales différentes. Donc, on pourra avoir plus de détails avec le RH. Et donc, du coup... Alors, attends, moi, je vais basculer de... Ouais, vas-y, mais je vais juste basculer deux secondes, là, sur Stellarium, pour montrer un petit peu la densité de la zone avec Stellarium. Donc, voilà. Alors... Ton setup, il doit peut-être nous montrer une image peut-être inversée du fait de la monture équatoriale, parce que là, c'est comme si on visait en dessous en fait de la petite ours dans l'hémisphère nord. Là, vraiment, on est en fait entre le pôle sud céleste et l'horizon. Donc, on est vraiment, vraiment très, très bas. Je vous montre un peu la zone qu'on est en train de viser. Là, vous voyez, on est vraiment super bas. Et vous voyez un petit peu la densité de tout ce qu'il y a. Donc la nébuleuse que tu nous montres, c'est effectivement la nébuleuse de la Tarentule. Mais il y en a plein d'autres autour. C'est d'une densité. Ah oui. C'est complètement dingue. Là, ce genre de photos que tu nous montres, c'est le genre de photos sur lesquelles ça vaudrait le coup de faire un plate solving avec PixInsight pour voir la quantité de trucs qu'on a. C'est dingue. C'est complètement dingue la richesse. Donc pour ceux qui veulent se taper le catalogue NGC, bah là vous en une seule photo, vous en faites une centaine, je sais pas. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Voilà, là t'as un plate solving, mais vraiment de simplement avec les trucs principaux. Mais exactement. Mais alors attends, ouais. Je vais basculer sur ta vue. Mais c'est d'une densité, c'est de la folie quoi. Voilà. Donc là toi t'es avec l'Asier. Hein. C'est avec la ZIA, donc il te montre un petit plate soft tranquille, mais il n'y a pas grand-chose. Enfin, tu vois, il te montre pas les autres qui sont plus hautes, ouais, effectivement. Voilà, alors dans le live, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Hein. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes 65 connectés pour un petit samedi matin, c'est pas mal. Quel est l'intérêt de choisir une caméra avec un petit capteur carré plutôt qu'au format 4 tiers ou APS-C, demande Jean-José. Alors, la question est très intéressante. L'idée... c'est de voir le centre de l'objectif et de permettre l'utilisation à F2. Puisque si j'utilisais un capteur micro 4 tiers ou un APS-C, j'étais plus sujet aux aberrations en bord de champ, et puis du tilt aussi potentiellement. Alors que là, le fait d'avoir un petit capteur carré à 11 par 11 mm, je ne vois que le centre du cercle optique, en fait, du cercle image pardon, de l'objectif, et du coup, je peux ouvrir à F2. Et je peux l'utiliser à pleine ouverture. Sachant que bon, le Samyang 135 reste quand même une très grande référence en termes de qualité optique, mais il est vrai qu'à F2, on commence à avoir des espèces de flammèches sur les étoiles brillantes et des choses comme ça, et ça, tu veux absolument l'éviter, quoi. C'est ça, et là, du coup, c'est pour ça que, effectivement, si on regarderait dans les bords de champ là, on verrait, enfin, je peux zoomer, hein, mais on verrait quelques petits défauts, mais ça reste tranquille. Ouais, là, c'est le cas à droite, là, voilà, elle commence... tout doucement à partir en petite flamèche, mais vraiment il n'y a pas grand chose quoi. On sent qu'elle n'est pas strictement sphérique quoi, elle est un tout petit peu oblongue. Oh là, ces détails, c'est de la folie. Et là, voilà, on est sur une pose unique, mais bien évidemment, tu n'as pas fait que des poses uniques, tu as des tonnes et des tonnes de gigas de données à traiter là quand tu vas revenir en France. Oui, oui, bah là on a plus de 2000, je sais plus combien j'ai d'heures de pose, je crois que j'en ai plus de 300. 300 heures avec le CPOP, ouais. Oh la vache, le truc de furieux. Bon, bah bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas. Voilà, comment sont montés les filtres? T'as un tiroir à filtres? Comment t'as fait? Effectivement, c'est un peu particulier le montage que tu fais derrière un Samyang 135 pour claquer une caméra ASI, alors il existe des petits adaptateurs. C'est oui, la version Canon que tu as, ou c'est la version Sony? Non, c'est le troisième, c'est Nikon. parce que je suis chez Nikon, moi, donc du coup, effectivement, mon petit parc optique, c'est Nikon. Donc, c'est un adaptateur Altair, qui, du coup, d'un côté, tu as la baïonnette Nikon, et de l'autre côté, bah, tu as le pas, c'est le M48, il me semble, ou le M42, je sais plus trop. Et du coup, après, tu connectes ta caméra. Normalement, la caméra est en M42, je crois, celle-là. Je crois que c'est une 42, ouais. Et du coup, tu as ton... Alors, pour cet adaptateur-là, tu as une pièce amovible à l'intérieur avec le filetage nécessaire et tu peux mettre le filtre dedans, entre les deux, forcément. Nickel.
Donc, Voilà. tu as la version pour appareil réflexe, pas pour appareil, comment dire, hybride. Oui, c'est Ouais, une monture F, c'est ça. parce que là, il faut bien expliquer, sinon tu n'aurais pas eu le même tirage. Ok, bah, je te laisse passer sur les cibles suivantes, notamment le Officina Stellare, là, pour nous montrer la zone, parce que Oui. le temps court quand même, hein, il est déjà 8h19, et C'est on a ça. beaucoup de choses à voir. Regardez-moi ça, On a pas mal de regardez-moi ce choses à voir. détail, c'est juste Donc, magnifique. là, on est sur effectivement une vue du RH 350, donc de la tarentule, mais cette fois-ci avec plus de focale. Le RH, il est à 980 mm de focale. Par contre, il est ouvert à f2.8. Enfin, en équivalence, il est à f2.8. Donc, il avale beaucoup de lumière et il est à 350 mm de diamètre. Donc, c'est Un monstre, un sacré monstre. un Ça sacré tonneau. coûte un fric de fou, un truc comme ça. Très cher. Ça coûte très cher, mais ça marche très bien. À l'arrière, c'est une Regarde-moi caméra ça. Moravian. Oh là là. Voilà. Donc, si on fait varier un petit peu l'histogramme, effectivement, on peut faire apparaître ou faire disparaître plus ou moins de nébulosité. Donc là, effectivement, on va faire surexposer le centre, mais c'est pour mieux admirer quand même tous les volutes de gaz qui sont aux alentours quand même de la tarentule. Alors Dites attends, là porte. t'es en H-alpha ou t'es en oxygène avec ça? Alors là, je suis en H-alpha. On peut changer, on peut passer en O3. Mais le problème, c'est que je suis obligé de faire à nouveau un Une mise au point focus. de ça, non? Et c'est long. C'est long à Non, faire. non, non, mais c'est juste pour expliquer la nature de ce que l'on voit. Donc ce que vous voyez là, c'est D'accord. censé être rouge. Voilà, c'est pour expliquer. Et donc c'est de Tout à l'hydrogène. fait. Et là, effectivement, on voit la densité, la richesse, on voit le volume. C'est ça que j'adore. C'est vraiment, il y a du volume dans le ciel là. C'est vraiment magnifique. Et là, c'est une Et pause de combien là? c'est une pause de 4 minutes. Punaise. Comment ça sort vite? C'est terrible. C'est une seule pause de 4 minutes. Oui, on voit en noir et blanc parce que forcément, bah, pour ceux Voilà, qui c'est savent. capteur monochrome et bande étroite. Exactement, c'est de la caméra mono, donc on voit en noir et blanc. On n'a pas le choix. Mais c'est censé être Mais rouge. c'est sympa. C'est sensible en tout cas. Ouais, c'est rouge, ouais, c'est ça. Donc voilà, on va osciller tranquillement entre le grand champ de mon petit setup et puis le RH. Donc voilà. Alors, les petites tachouilles qui sont ici, c'est fantastique là. Oh là là, L'évolution des oui. mini, je ne sais pas si c'est des nébuleuses. Je vais peut-être. Bah, je sais pas si. Si elles sont liées à la nébuleuse de la Tarentule elle-même ou si c'est quelque chose d'indépendant, c'est ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas. C'est vraiment étonnant. Bon, c'est assez fantastique, ouais. Assez fantastique. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, dans le chat, hein, on est là pour vous répondre aussi. Oui. Bah écoute, je vais changer de cible. Ouais, On vas-y, va pas de passer soucis. tranquillement à la cible numéro 2. Donc on va aller voir la nébuleuse du crayon D'accord. qui est assez sympa. Bon bah là du coup vous voyez ce que je fais. NGC 2736. Let's go. Quand même bien foutu là, cette interface. Hein. Ouais, c'est super sympa. Ouais, alors, NGC 2736. Ok, je vais essayer de la trouver dans Stellarium. Alors, je suis pas du tout un expert de Stellarium, hein, mais on va essayer de trouver ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent me dire comment est-ce qu'on trouve une cible dans Stellarium? Il doit y avoir un moteur de recherche. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, il y en a un. NGC 2736. Voilà. Hop. Donc, on est plus sur la droite pour toi, mais on est très bas encore au-dessus de l'horizon. Donc, la nébuleuse du crayon. Alors, Oui. on est sur quelque chose de plus petit. Alors, c'est quoi? C'est une Plus petit, nébuleuse? C'est une nébuleuse planétaire, ça? Ou c'est. ouais. Alors, vu sa forme, je ne sais pas si c'est une nébuleuse planétaire. Mais. Bon, là, je vais commencer ma pause de 3 minutes. Voilà, donc pour le moment, on est sur la vue virtuelle. Mon guidage, par contre, complètement aux fraises, là. Mais. C'est pas bon ça, en direct, t'es sur le photostroke. Non, c'est en train de revenir, ça va aller. Après, alors l'avantage du petit setup, c'est que comme j'ai un échantillonnage qui est très faible, je suis à plus de quasiment à 6 arcs secondes pixels. Je peux avoir un guidage complètement claqué. Ça, je le verrai T'as de pas la sur la photo. tolérance, ouais. J'ai beaucoup de tolérance, tout à fait. Si je suis en deçà de 3 secondes de 3 secondes d'arc pixels, pardon, je le verrai pas. Donc ça, c'est pratique. On va repasser sur l'interface de l'Asière. Et voyez, on a la petite courbe de guidage et tout. C'est quand même beau comme truc, hein, faut reconnaître. C'est sympa. Là, il est en multistar, mais voilà.
Ça, c'est pour le côté technique. Donc là, il est en train de prendre la photo. Donc on va attendre encore 2 minutes. Et je lance le RH. Le RH, on va turbiner tranquillement, je pense, entre 3 et 4 minutes de pause à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent du marathon de Messier dans l'hémisphère sud? Parce qu'on c'est plein marathon de Messier là actuellement dans l'hémisphère nord. Oui. Enfin, moi, je vais essayer de voir pour sortir, pour essayer de bouger quelques personnes dans le nord pour sortir ce soir parce que il fait super beau. Alors, l'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause du confinement. Là, cette année, on n'a pas d'excuses, quoi. Alors, en fait, il existe un autre marathon qui s'appelle je crois que c'est le Big Marathon, où là, tu fais tous les Messiers, mais tu fais également les NGC. Je crois que c'est un truc qui se fait en 3 nuits, D'accord. mais non, c'est les principaux NGC. Mais forcément, dans l'hémisphère sud, bah, j'ai pas à ma connaissance de notion de concours comme ça. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, parce que là, il y a des cibles hyper, hyper intéressantes. Alors, sur le RH, quel est le soft qui est utilisé pour le pilotage? Ah là, bah, je peux le montrer. Ouais, vas-y. Alors, du coup, c'est un Donc, peu tu es un avec écosystème un Anydesk, peu. donc tu es en pilotage remote sur le setup en question. C'est ça, ouais, là, il est à peu près à 70 mètres de moi, là, il n'est pas à côté de moi. Donc, alors c'est un écosystème un peu hétéroclite, mais ça marche quand même. Du coup, pour le pilotage, du coup, on est sur une monture Planewave, on a le software maison de Planewave, donc ça, c'est ce qui pilote effectivement la monture. Donc là, effectivement, je saisis les objets ici, avec un GoTo. Donc la monture s'occupe directement de faire le pointage et après le guidage. Donc là, vous avez les valeurs de guidage, je vous laisse admirer quand même la précision. Ça change carrément de mon setup et de mes 3 arcs secondes. Faut dire Là, quand on tu est mets un en setup de cette qualité-là, t'as plutôt intérêt à avoir une bonne monture qui suit quand même, ce serait un peu dommage. Ouais. Bah, les montures Planewave sont très très bonnes, c'est les montures en L. Ouais. Les L350, L500, L600, j'en ai vu, bah, j'en ai monté deux, des setups, et effectivement, c'est du très très bon matos. Ça coûte très cher, mais c'est très très bon. Très très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour la monture. Après, là, on a The SkyX hein, qui s'occupe de faire bah, toute la connexion au niveau de la partie accessoire optique. Donc là, actuellement, c'est la caméra. Donc là, on a la pause. Et également, on a aussi un software que je connaissais pas du tout qui s'appelle Voyager qui permet notamment de faire des scripts et d'automation en fait de beaucoup beaucoup de choses, Oh, les trucs. notamment pour le focus. Là, Ah, vu bien. que ouais, on va pas toucher au focus parce que du coup, à chaque fois, je change de fil, ça change un petit peu. Mais donc, il te fait Et ta du coup, il peut veilleur. programmer sa nuit et il va se coucher, quoi. Voilà. Alors, avec Voyager, je pense que tu peux faire ça, ouais. Je sais pas, je l'ai pas utilisé à ce point-là, mais tu peux, ouais. Apparemment, il a l'air assez complet. Donc, voilà, ça, c'est la côté machinerie du RH. Ouais. Donc, là, on attend, il y a encore 2 secondes. Mais ça, je vous le réserve après. Petit teasing. Ah, zut. Canidesk. Hop. Alors, t'avais pas un ami qui Alors. devait nous rejoindre là sur le pour le comment dire pour le live là de l'Observatoire de Chaussée? Alors, normalement, il y a Vincent, C'est mais. ça. Alors, moi, comme je vois C'est pas le Vincent Discord, Suc, hein? C'est ça? Vincent Suc, ouais, tout à Ok, fait. ça marche. Eh ben, je vais le basculer avec nous, parce qu'il est là. Il est là. Eh ben, c'est top. On a la nébuleuse du crayon, on a une petite nébuleuse à côté. C'est nickel. Voilà, bonjour Vincent. Est-ce que tu nous entends? J'ai pas mal. Normalement, il va nous Tout ça. rejoindre là. Il faut qu'il coupe son Normalement, Wi-Fi. il va Ouais. Alors, Oula. moi, comme je Vincent Suc. Oui. Par contre, Bonjour, Vincent il y Suc. a des échos. Tu dois être avec un haut-parleur, avec des haut-parleurs, Vincent. Il est là. Bah, c'est top. On a la nébuleuse du crayon, on a une petite nébuleuse à côté. Ah, peut-être que tu es en train de nous regarder en. Ouais, il est en train de nous regarder, du coup il y a un écho indifféré. Le temps que tu résolves ton problème, je te coupe ton micro, Vincent. Ah non. Ah non. Ah non, c'est ça. Bon, est-ce que tu nous entends, Vincent? J'entends là. Vous m'entendez là? Ah oui, ça va. Parfait. Bon, alors t'es à Santiago là. Ouh là là là, oui, effectivement, il y a des échos de. T'es pas avec un casque là?
Voilà, c'est mieux là. Ouais, ça devrait aller. Alors, oh, alors ça c'est beau ce que tu nous montres là, Maxime. Donc la Alors. nébuleuse du crayon qui est ici, toute petite nébuleuse, et elle est très proche en fait de tout un système en fait beaucoup plus large de rémanents qu'on Oui. commence à deviner sur la partie supérieure droite, ici. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais, bah elle est peut-être liée à ce rémanent, non? Certainement, là je sais Ça pas. ressemble à un truc. En tout cas, c'est. Ouais. C'est étonnant de voir hein, une petite, voilà, une petite frange comme ça, plutôt donc en oxygène 3. Ben, on a les deux, ouais, c'est ça. On a surtout effectivement un signal dans nos trois là, plus Ouais, vert que rouge. Ça. tout à fait. Et puis en plein sud aussi. Alors attends, on va remontrer la scène dans Stellarium, là, du coup. Hop. Alors, dans Stellarium, on a dit que. Voilà, donc c'est là où on voit que la vue, elle est un petit peu. Elle est un peu inversée. C'est-à-dire qu'en fait, ta vue, elle est couchée de 90 degrés vers la droite, là, par rapport à ce que l'on voit là. Donc cette nébuleuse à gauche, là, par contre, on la voit aussi. Et puis la nébuleuse, voilà, je sais pas comment on peut faire pour avoir plus d'informations sur celle-là. NGC 2736, on va essayer de regarder si on peut trouver des informations. Alors je rebascule sur ta vue. Non, c'est pas ça. Voilà, on bascule sur ta vue. Oh là là, mais c'est fou quoi. En une pause, en une seule pause, tout ce qu'on arrive à voir déjà d'un coup. C'est hallucinant, hein. On a le RH qui est en train de tourner. Je recommence une pause parce que 180 secondes avec le filtre HA, c'était pas assez. Donc là, je fais une pause de 300. Donc faut attendre encore un petit peu pour le RH, mais effectivement, donc c'est une très très jolie nébuleuse qui est toute fine, effectivement, qui forme un trait comme ça avec un tout petit volute sur la partie supérieure et qui se déchire. On a vraiment l'impression de papier de soie en fait qui se déchire. C'est très très beau. Et elle est juste à côté d'un, donc non seulement d'un rémanent qui est beaucoup plus large, mais de nébuleuses plus classiques, j'ai envie de dire, et qui émettent du coup beaucoup Là, on est en de H-alpha, là, effectivement. ouais, bah, c'est du rouge, ouais, tout à fait. Mais c'est une région qui est magnifique, ouais. Très très riche, beaucoup de choses à voir, des belles étoiles, même de très belles étoiles carbonées, des rouges, enfin des orangés, jaunes et des bleutés, ouais. Alors là, par contre, on pourra pas voir avec le filtre la couleur des étoiles, mais ouais. Tu me donnes envie vraiment de ressortir les photos que j'avais faites au Chili. Alors, attends, c'était en 1995, Noël 95. Je suis allé dans le désert d'Atacama et puis de faire un plate solving sur chacune de ces photos parce que je pense qu'il doit y avoir du truc quoi. Je les avais faites à l'époque avec une carte papier où j'avais tout un atlas papier, j'avais passé des heures à reconnaître les objets qu'il y avait sur mes photos, mais je pense qu'il y en a plein sur lesquels j'étais passé à côté. Mais c'était juste des photos à l'argentique. Ah oui, en plus, ouais. Mais c'est là où on voit vraiment que bah voilà, un setup 5135 avec avec une bonne caméra, on peut faire des très très belles choses en quelques instants. Pour moi, vraiment, le Samyang 135, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est pas toi qui vas me dire le contraire. C'est quand même le premier bon setup pour faire de l'astrophotographie. C'est un vrai petit télescope en fait, le Samyang 135. C'est exactement ça, c'est une vraie petite lunette toute petite qui marche très bien, qui se marie très bien avec beaucoup d'appareils, qui se marie très bien avec les caméras aussi. Et pour un setup nomade ludique mais qui est quand même performant, c'est une très bonne formule, ouais, très Quand même bonne sur idée. un objectif, hein, je crois que c'est à peu près 550, 570 euros à peu près. Le prix que j'observe, peut-être qu'il a un tout petit peu augmenté là, à cause des situations économiques, mais franchement, pour ce prix-là, après derrière, comme monture, alors justement, il y avait une question dans le chat de Julien, à savoir, qu'est-ce que tu penses des montures mécaniques? Est-ce que tu as déjà essayé des petites montures mécaniques? Parce que là, tu es sur une AZGTI, toi, je crois. C'est une SZGTI là, c'est. Ouais. Les mécas, c'est celles qui sont sans pile avec le ressort, un peu dans l'idée, c'est ça? Ouais, il y en a des comme ça, ouais. Ben, moi, j'ai des bons retours. Effectivement, par contre, faut pas être trop gourmand en termes de focale. Rester peut-être dans des ordres de grandeur de 35, 50, peut-être 85 mm. Et Ouais, je également des crois que temps c'est de pose ça. relativement courts. Et comme ça, tout se passera bien, ouais. Après, il y a peut-être des personnes qui ont réussi à faire des poses plus longues ou avec des focales plus longues, certainement, mais c'est pour du tracking tranquille à large champ, ouais.
Il y a une monture en fer à cheval qui a été faite à l'imprimante 3D, là, avec GoTo, etc. Je pense qu'un jour je vais me l'imprimer pour les C'est très 100% possible. mécaniques. Mais en tout cas, un Samyang 135. Alors, je ne sais pas quelle est la taille des photosites de ta caméra. Moi, le Sony A7R 2 avec des photosites de 360. Je crois que c'est 375 micromètres sur le A7R 2. Ou non, ou c'est 4.5. J'ai jamais réussi à mettre en défaut le Samyang 135. Franchement, voilà. Mais effectivement, sur une Star Adventurer, ça fonctionne, mais c'est que du bonheur. Et puis en fait, la visée, elle est relativement facile parce que c'est des champs assez larges. Donc Oui. là, tu as pris le GoTo parce que là, tu travailles vraiment aux coordonnées avec précision, mais sinon, voilà quoi. Voilà, oui, non, c'est très, très, très sympa. C'est 3,76 les microns avec la 533. Bah, comme Ouais, beaucoup de caméras, la c'est ça. 6002, la C'est 2010, ça. ils sont C'est une plutôt dans la détail standard. 335. Ouais. C'est ça. Alors, il y a David qui dit comment faire la mise en station quand on est sur l'équateur. Alors, il n'est pas strictement sur l'équateur. Là, tu dois être à Plus bas, hein. 25, 26 degrés de latitude sud à peu près. Parce que le désert Encore d'Atacama, plus. c'est 23. Bah, c'est encore plus au sud, il me semble qu'on est à 35. D'accord. Donc, en fait, Si de je toute dis pas façon, de tu vois bêtises, le pôle 33. sud céleste. Et donc, Oui. bah, il y a les réticules spéciaux sur les viseurs polaires. Mais toi, tu utilises peut-être comment ça s'appelle, un pôle master ou quelque chose du genre? Eh ben non, avec la Z, enfin la ZR, tu peux faire le polar aligne. Ah oui, Je vais pas d'accord. l'annoncer parce que sinon ça a tout foiré, mais et il marche très bien. Ah oui, Même d'accord. En quand il y a fait, il utilise l'imageur principal en tant que que polar stop, caméra. quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ah punaise, Donc ça c'est c'est génial. assez, bah c'est fantastique. Ça c'est. Et puis maintenant, quand t'as l'habitude, tu fais ton polar aligne en 1 minute chrono. Et c'est génial. J'ai l'image. Alors vas-y, je te laisse Attendez. basculer, c'est toi qui anime. Hein. Moi, je ne fais que héberger le live. Pour une fois que Alors, c'est pas je moi qui bosse comme un furieux pour animer le vais live. me j'ai l'image du crayon. Ah, c'est super sympa. C'est vrai que ça manque un petit peu de. Un peu de jus. Ça va être Oh, un peu écoute, léger. bah t'es en H-alpha de l'autre côté. Je suis en achat et puis alors je ne sais pas la peut-être en 5 ou en 3 nanos Ah, mais c'est mais sculpté, voilà. c'est beau, hein. C'est superbe. C'est superbe. Donc là Regardez-moi on est ça. avec une pause ouais, de 300 secondes quand même, 300 secondes à Ouais, 1 minute. ça ressemblerait quand même à une espèce de rémanent de supernova. Ça fait quand même penser un petit peu aux dentelles du cygne. Ouais. Mais oh punaise, et les petites étoiles, les mini-étoiles. Oh là Alors, là. là, les petites étoiles, c'est peut-être des pixels chauds. Ah oui, Parce qu'il peut-être, n'y a ouais. pas de dark. Non, non, Ouais. d'accord. Par contre, il y a des étoiles qui sont vraiment des étoiles. Mais Ah là en oui. tout cas, c'est sculpté, c'est joli, quoi, vraiment. C'est ça. Tu as une barre, il y a des petits détails, et puis effectivement les déchirures qui sont par-dessus. Et donc là, on ne le voit pas parce qu'on est avec un seul capteur, mais en fait, c'est bicolore. Oui. La barre centrale effectivement est plutôt verte, donc plutôt en O3. Et C'est comme la les dentelles. déchirure ici, c'est de la HA. Ouais, c'est ça, C'est c'est le comme même les système. dentelles. Ouais. C'est ça. Alors, tu as Julien qui dit, je profite de remercier Maxime pour ses photos et ses descriptions sous les images qui me font voyager. Tu fais du super boulot. Alors, ça, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes 93 sur le live. Non, oui. Vous avez été jusqu'à 93 apparemment. Ou là, vous êtes 82, mais faut voir. N'oubliez pas les pouces en l'air, bien évidemment. Ouais, alors. Apparemment, le Samyang 135 pourrait être trouvable même à 450 euros. Alors, faut préciser quand même que, mais je veux dire, il y a pas de souci à le dire quand même là-dessus. C'est vrai que tu connais très bien Samyang parce que tu es un peu VIP pour l'astronomie, je crois, si je ne me trompe pas. Ambassadeur effectivement pour la France, effectivement pour l'astrophoto, pour eux depuis 2017, ouais, c'est ça. Mais Donc, après, on a. t'es déjà intervenu sur les salons de la photo. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas pour eux, pour Nizy avec leur filtre de réduction de la pollution lumineuse, mais vivement d'ailleurs qu'il y en ait un nouveau, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, les salons de la photo. Ah Mais. oui. Ben, quand tu auras ça, je viendrai te voir. Mais non, non, mais le Samyang 135, franchement, moi j'en suis radicalement amoureux, quoi. Ah, il est très bien.
Très très bien. Ok, eh ben, si ça vous va, on va pouvoir changer tranquillement de cible. Voilà, bah pendant que tu changes de cible, je vais remettre ton jingle. voilà, ton petit teaser qui présente un petit peu quelques images de tes conditions de vue, puis quelques-unes de tes photos aussi. Voilà. Donc Ok. je fais, voilà. Ah bah la prochaine, on va passer sur la carène. Ah là, par contre, ça va envoyer. Ça, c'est magnifique. Alors ça tourne la vidéo. Voilà, donc bah écoute, pendant que tu es en train de faire ton go-to et puis ta préparation, je propose de donner aussi la parole à Vincent. Vincent, est-ce que tu nous entends? Bonjour, vous m'entendez bien? Donc toi, tu travailles à l'Observatoire El Sauce, c'est ça? Voilà, donc c'est un projet qu'on a commencé il y a une dizaine d'années. Bientôt, c'est en 2010, on a commencé un petit peu l'idée. Et puis petit à petit, ça a commencé à se développer. Là, en ce moment, on en est à 75 télescopes qui sont utilisés. 75 télescopes, punaise. Alors, je propose de montrer justement quelques vues là, que Maxime m'a fait suivre, et puis j'ai monté ça en format vidéo, qui montre un petit peu à quoi ressemble l'observatoire en plein cœur du désert. Enfin, c'est assez désertique en fait, la zone sur laquelle vous êtes. C'est assez magnifique. On est dans le sud du désert en fait, dans la zone de Coquimbo. C'est juste en face des observatoires du Gemini et du Tololo. Voilà, donc avec pas mal de télescopes qui sont hébergés avec des gros diamètres, les plus gros diamètres que vous avez comme télescope, c'est quoi 1 mètre, je crois? Ce moment où il y a trois télescopes de 1 mètre, un Là, quatrième on qui voit va très bien arriver. le grand nuage de Magellan là, sur cette vue-là. Je sais pas si c'est le grand ou petit, mais ça donne une idée de la luminosité du nuage de Magellan par rapport à la Voie lactée. Vraiment. 4 secondes de pause à chaque fois pour ce petit alien, c'est rien du tout, 4 secondes uniquement. Ouais. Ça sort vite. Hein. Ouais. Vraiment, ce ciel, c'est que du bonheur, c'est de la folie. Voilà, là, on voit le grand et le petit, là. Vous imaginez un peu la taille du grand nuage, on voit vraiment très très bien. Puis toutes les différentes montures, c'est là où ça vaut le coup aussi d'avoir des montures aussi un petit peu bah, type monobras, justement, parce que l'avantage, c'est que t'as pas de retournement de méridien avec ça. Et puis voilà un peu une vue aérienne de l'infrastructure, quand même, de l'observatoire. Donc, Alex, on va repasser sur ta vue, là, et on a commencé quelque chose qui commence à se présenter. Voilà, donc Vincent, vas-y, je t'en prie, continue de présenter un petit peu l'observatoire, puis globalement ce que vous présentez. Alors vous étiez au RCE d'ailleurs, je suis passé très rapidement, mais j'ai pas eu le temps de vous interviewer tous. Mais voilà, alors présente un petit peu, vous faites de l'hébergement de télescope pour les astronomes amateurs. Voilà, donc nous, en fait, on a commencé. L'idée au départ, c'était de pouvoir avoir une structure qui puisse permettre aux astronomes amateurs d'envoyer un setup et de l'utiliser à distance. Donc, on a commencé. Au départ, on était mon collaborateur et moi, on travaillait à l'Université catholique à Santiago. Et nous avions des télescopes, on les a toujours, à Las Campanas de recherche des exoplanètes, un projet qui s'appelle Hot South. Et en fait, on s'est rendu compte dans les grands observatoires comme Las Campanas, la CIA et genre d'endroits comme ça, pour les professionnels en fait qui ont des petits télescopes de surveille ou ce genre de trucs là,
C'est pas très pratique parce qu'il y a pas beau... enfin, d'abord, le coût est très cher pour le téléphone là-bas. Et le support sur site, on n'est pas forcément la priorité. Donc, en fait, ça nous a donné un petit peu l'idée de faire une structure principalement utilisée pour les pros qui ont des petits instruments ou pour les amateurs. Il va trouver une structure qui soit plus petite que les grands observatoires, mais qui ait une 3 ou 4 ou 5 ou 6 personnes sur site qui puissent se dédier uniquement au support des télescopes, on va dire entre 20 cm et 1 mètre. Donc on a installé le premier télescope en 2016. Petit à petit, on avait un seul édifice avec des toits roulants. Le premier, on avait 8 télescopes. Puis petit à petit, on a fait un deuxième édifice. Et puis là, on en est au 8e. On a jusqu'à 11 télescopes, 15 en fait. Donc ça commence à se développer. Et puis on a, à ce moment, il y a 8 personnes qui travaillent à l'observatoire. Il y a deux personnes qui sont des administratrices. Qui sont à Santiago, il y a Andrés et moi qui sommes à Santiago et qui voyageons de temps en temps, une fois par mois à peu près, et puis après il y a 3 ou 4 personnes sur site. Il y a Jonathan qui est là en semaine, il y a Rodrigo qui fait les allers-retours depuis Santiago une semaine sur deux, et Francisco et Felipe qui sont basés à La Serena, donc c'est une centaine de kilomètres, et pareil, ils sont une semaine sur deux, donc ils viennent une semaine, ils restent sur site pendant une semaine, et il rentre chez eux en repos pendant une semaine. Donc ça fait qu'on peut toujours avoir quelqu'un sur site, au moins une ou deux personnes, en cas de poser l'intervention. Alors ça y est, là on commence à voir la tarentule, et ça c'est juste une pause alors, donc Maxime. Alors ça, donc elle ressemble un peu à la tarentule, mais c'est la carène. Ah non, c'est la carène, pardon. Oh là là, c'est la grande nébuleuse de la carène que l'on voit à la nuit quasiment. C'est... Je sais pas si on peut dire ça, Vincent, mais c'est un peu l'Orion de l'hémisphère sud, quoi. C'est aussi brillant. Ouais. C'est plus grand, non ? C'est peut-être plus grand, ouais, je pense. Et... Peut-être. Oui, c'est un petit peu plus grand, dans ces eaux-là. Enfin, ceci dit, Orion, elle est bien visible aussi, hein, depuis là où vous êtes. Hein. On voit quelque chose, on voit effectivement que tu sens, il y a un peu de nébulosité, ouais, au niveau d'Orion. Oh, taille du truc. Alors, la carène, c'est un objet qui est fantastique parce qu'il est très généreux, il envoie beaucoup de jus, t'as beaucoup de lumière, et il est très grand. Donc ça, c'est la cible effectivement idéale, tu peux la shooter, enfin moi je l'ai même shooté en période de forte lune, même avec mes filtres qui sont en 10 nanomètres, donc c'est très large. Et du coup, j'arrivais quand même à la voir correctement, même avec la lune. C'est ça qui est assez incroyable. Et franchement, ouais, il y a du monde. Il y a des nébulosités qui débordent du champ pour le coup. Et alors du coup, ce qui est vraiment très beau, c'est l'intérieur et notamment cette partie-là, puisque Hubble l'a photographiée. Et ici. Alors, je vais zoomer volontairement, donc ce sera pas très beau. Mais là, vous avez Eta Carina. C'est une étoile incroyable. Voilà, elle est là, Eta Carina. Du coup, là, ça y est, je commence à avoir l'image de... Oh la vache. J'ai l'image du RH. Ouais, c'est quelque chose. Vous allez pleurer. Là, vous allez pleurer. C'est... Waouh! Alors okay. Désolé, on répond pas encore pour le chat. Là, on va revenir sur le chat et écrivez, hein, y a pas de souci. Vas-y, alors tu nous montres là, t'as le RH là qui nous donne une image là. Ouais, le RH est prêt, donc je sais pas si vous êtes prêts. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, vous êtes bien assis, les gens. Ceux qui sont en train de conduire, vous vous arrêtez sur le bas-côté, vous mettez vos warnings, et puis là maintenant tu peux montrer l'image. Ok, bon. Ça reste du noir et blanc, mais c'est quand même super chouette. Voilà. N'hésitez pas à me dire si au niveau du contraste noir et blanc, ça va. Alors, les zones sombres sont quand même bien sombres. Mais vas-y, zoom là-dedans, là, montre-nous un petit peu. Je vais essayer de changer un peu le contraste. Oh la vache. Oui. Là, c'est... Non, là, t'es un peu trop. Là. Un peu trop. Voilà, là, je pense que t'es bon. Ouais, on est bon comme ça. Allez, on est bon. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le champ général, donc on zoome beaucoup plus, et ce qui est très beau,
Effectivement, c'est cette partie qui est ici. Donc avec Eta Carina. Et donc là, on est sur des zones qui sont surex et surexposées. Mais là, donc Hubble a fait ce champ-là, cette photo-là, qui est magnifique. Quand vous tapez Eta Carina, la carène Hubble sur Google, enfin n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber du coup sur ce champ-là, qui est magnifique et tout en couleur. Vous avez des petites taches avec des zones où vous avez certainement des étoiles en formation. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai que c'est très très détaillé et tout ça. Alors, Eta Carène proprement dit, tu sais nous la montrer? Pas l'étoile là. Alors Alors là, t'es un peu là, cramé sans doute, peut-être, si c'est sur la zone la plus wow. lumineuse. Et donc là se trouve donc cette fameuse étoile Eta Carène. Donc un système solaire contenant au moins deux étoiles avec une luminosité totale, attention, dépassant 5 millions de fois celle du Soleil. Donc le système se situe à 7500 années-lumière donc de la Terre, dans la constellation de la Carène. Et en fait, donc une étoile de magnitude 4, elle est devenue plus brillante en 1837, devenant ainsi plus brillante que Rigel, ce qui marque le début de la grande éruption. Eta Carène devint alors la deuxième étoile la plus brillante du ciel du 11 au 14 mars 1843, avant de devenir bien moins brillante que ce qui peut être vu à l'œil nu après 1856. Donc en fait, il y a eu des éruptions sur cette étoile, phénomène absolument cataclysmique donc autour de cette étoile. Et en fait, Hubble a photographié justement Oui. ce qu'on appelle la fameuse nébuleuse. Alors je vais aller la récupérer, c'est la nébuleuse, elle a un nom à couper dehors. L'homonculus? C'est ça. Ouais. C'est aussi très intéressant à voir en visuel. Oui. Alors, je sais qu'Alain Maury l'a déjà observé, il m'avait raconté. Moi, je suis en train de. Oh là là. J'arrive à accéder à mon desktop. On l'a vu effectivement aussi avec Vincent, puisque alors juste à côté, je peux pas vous le montrer, mais on a un mètre, un des 1 mètre justement d'Optech, on l'a vu avec, c'était incroyable. En Ah bah visuel, oui, c'était avec un fou. télescope d'un mètre, oui, là, je veux bien croire que ça claque bien. Alors voilà, normalement, je vous la montre la photo. Donc là, c'est une photo qui est faite a priori par Hubble. Et vous voyez un peu l'éruption de matière. Enfin, c'est voilà, c'est une photo, c'est pas une vue d'artiste. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. C'est juste hallucinant le phénomène qu'il y a pu y avoir. Damien Pitt qui a fait une très belle image aussi avec le 1 mètre de télescope Oui. il y a quelques temps. Puis on voit très très beau, on voit énormément de détails avec. Ah, donc on est sur un phénomène. Voilà. Et puis la zone, qu'est-ce que c'est détaillé, c'est beau, c'est magnifique. Il y a vraiment des gens qui ont de la chance d'habiter au Chili. Moi, c'est pas juste. Donc voilà, alors je pense que la question qui brûle sur toutes les lèvres, c'est de savoir à peu près, pour se faire une idée, à peu près combien ça coûte d'héberger un télescope chez vous. En ce moment, les tarifs ont fait payer environ 8 000 euros par an. Et donc, ça inclut l'Internet, Donc vous avez la l'électricité, fibre, hein, au les niveau câbles. Internet, il y a la question qui a été posée. Et ouais, on a une fibre en ce moment, on a du 900 mégabits par seconde symétrique. Donc c'est même mieux que ce que j'ai chez moi à Santiago. C'est pas mal. Même moi en France, à mon appart, j'ai pas ça à Tours. Donc en fait ça peut permettre aux clients, en fait on propose, même avec 70 télescopes, on peut proposer de pas avoir de limite de plot. Donc en fait les gens qui viennent s'installer, en fait ils peuvent uploader toutes leurs données dans la journée ou dans la nuit. Ou Ils au peuvent travail récupérer s'ils leur font brut pour faire le traitement ensuite à la maison, quoi. ils font le traitement chez eux. Alors après, bon, c'est vrai que s'il y a des on a des projets par exemple qui viennent avec 16 télescopes avec des capteurs de 100 mégapixels pour faire des poses de 30 secondes. Donc là, dans ce cas-là, on va faire payer plus les coûts d'internet, parce que c'est un petit peu plus que ce qu'ils utilisent quand 16 même. télescopes. Un projet qui va être installé au cours de l'année prochaine, c'est un projet de l'université en Corée. Donc ils ont 16, donc 16 plane wave Deltaro, donc c'est des télescopes un petit peu comme le RH350, des 500 mm à f2.8. Et ils sont tous en Avec parallèle ou sur des sites différentes? ils vont être non, sur chacun sur une monture différente.
Et ils vont avoir chacun un filtre avec une bande d'une vingtaine de nanomètres, un petit Ouais. peu différent. Donc en fait, ils peuvent. Donc ils ont tous une roue à filtre, mais l'idée c'est qu'en fait, ils peuvent tous pointer le même objet avec une bande un peu différente. Et en fait, tu peux combiner toutes les images et en faire comme si c'était un spectrographe à très basse résolution. Oh la Avec vache. un Mais souci. ils sont tous indépendants en fait, donc tu peux les utiliser aussi en version indépendante. Tu peux Truc les de utiliser dingue. indépendamment, pointer toutes les mêmes cibles ou faire de l'imagerie. C'est principalement ça va être utilisé pour de la surveille d'objets variables. Voilà, alors la Sinon, tu. carène, on va aller montrer où elle se trouve. Elle se trouve plus haute, hein, si je me trompe pas. Dans le ciel où elle est plus haute, ouais. Est-ce que tu as le nom NGC peut-être? Oui, 3372. Elle est à droite de la croix du Sud. Voilà. Elle Sur le plan est du un nord. peu en dessous de la croix du Sud quand même. Voilà. Et pour vous donner une Et idée oui, de la taille de la carène, c'est vrai que c'est très très grand aussi. Hein. Et c'est vraiment une zone très très riche. Voilà. On va revenir magnifique. sur ta vue couleur parce que. Quelle claque! On a les deux là, du coup on a le centre, on a le centre. Bah là, voilà, je vous montre au moins les deux. C'est intéressant aussi de voir un petit peu la différence, déjà couleur noir et blanc, et puis aussi la différence de, eh bien, de résolution. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je crois que j'ai demandé à la monture de pointer dans un endroit. Et donc Alors, d'avoir Star deux Fox, non, centres ce de sont des mémoire. Coréens qui viendront installer des télescopes au Chili. Voilà. Là, on observe depuis le Chili. Ok. Alors, c'est une ferme. Alors, Star Fox repose la question. Bah, on va remettre la vidéo. On va remettre la vidéo de présentation de l'observatoire pour que vous puissiez vous donner une idée un peu de ces télescopes qui poussent en plein désert chilien. Il y a rien autour quoi, c'est hallucinant, hein. C'est un paysage lunaire, c'est magnifique le désert chilien, moi j'adore. Très bon. Ça fait penser au désert d'Atacama, bon, qui est plus sur les latitudes des tropiques. Ben ça fait partie, au niveau du climat, ça fait partie de la zone d'Atacama. En fait, on est dans le sud d'Atacama. Ouais, d'accord. Dans l'extrême sud d'Atacama. Après, c'est une zone qui est un petit peu plus. Bon, il y a un peu plus de végétation, il y a des cactus, des choses comme ça. Mais ça reste extrêmement désertique. Là, par exemple, cette année, il a pas plu du tout. Même moins de 2 mm. Et l'année dernière non plus, donc on est dans une grande sécheresse en ce moment. En général, il pleut 4 à 5 mm par an, jusqu'à une vingtaine de millimètres. Vraiment le site est incroyable. Les instruments qui sont présents sont incroyables aussi. Hein. En ce moment, il y a 3 mètres, il y a 5 ou 6, non, 7, 600 mm. De 700 mm, je commence à avoir des belles bêtes aussi. Ah, c'est clair. Magnifique tout ce que l'on peut voir. Hein. Franchement. Alors, Maxime, tu nous as préparé d'autres cibles également, non? Oui, Là, là il je va suis être en 9h, train on a de. encore 1h30 devant nous pour ce live. Ouais, bah là je suis en train de lancer une pause sur juste à côté, sur la nébuleuse de la Statue de la Liberté. Ah, ça va être intéressant ça. Ouais, juste à côté de la carène. Beaucoup plus petite, mais juste à Alors, elle côté. se situe où par rapport à la carène? C'est là la question du jour. Alors c'est relatif. Je dirais à gauche. Mais par rapport à la carène, voilà. Alors là, moi je vois là. Ah si, non, 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 elle est pour. En sens Altaz, elle est au-dessus. Et par contre, à gauche de la carène, t'as les Pléiades du Sud, tiens. Oui. Ça, c'est amusant ça. Bah, on n'aura pas forcément le temps d'aller les voir. Par contre, j'ai vu qu'il y avait le poulet qui court aussi, pas très loin de la zone, là. Il faudra peut-être y songer. Donc la Statue de la Oui, alors Liberté, on va aller voir ça. Et c'est génial parce que on est sur des cibles qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Alors, attendez, je vais vous mettre sur Stellarium. Voilà, donc en fait la carène est là. À gauche, vous avez les Pléiades du Sud et la Statue de la Liberté est là-dessus. Voilà. C'est ça qu'on va aller voir.
avec la vue bien imparfaite, là pour le moment, de la vue bien imparfaite de Stellarium, mais on va passer sur des photos réelles. Hein. Donc les pauses sont lancées, 3 minutes pour le petit setup et 4 pour le RH. C'est parti là. Alors, et puis on va regarder un petit peu. Alors pour le courant, bah, je suppose que vous avez une connexion haute tension ou quelque chose un peu comme ça. Enfin, parce que forcément, ben, vous êtes un peu dans un désert, donc vous avez fait ramener du courant ou vous avez des groupes électrogènes ? Non, en fait, on est à une vingtaine de kilomètres de la première ligne haute tension, donc c'était financièrement pas très faisable. Donc ouais. on tourne uniquement avec une centrale off-grid. Donc on est sur du solaire. Ouais. On a une centaine de panneaux solaires de 350 watts. Ouais, comme à Saint-Véran en fait. Et vous avez des groupes électrogènes au cas où. Un groupe électrogène au cas où et avec des batteries au lithium. Donc on est complètement autonome de ce côté-là. Donc, on peut générer jusqu'à 30 kW à peu près de puissance. Ouais, c'est comme Saint-Véran. Voilà. Avec la quantité de télescopes qu'on a là, on consomme en moyenne presque 5 ou entre 5 et 8 kW de consommation en moyenne. D'accord. Donc voilà la connexion internet, on a répondu. Donc t'as la fibre quand même, ça c'est bien. C'est très bien. Donc là ils ont tiré une fibre jusqu'à chez vous. Alors la fibre arrive dans la vallée parce qu'il y a une fibre qui a été tirée pour le télescope LSST. D'accord. LSST qui s'appelle le Vera Rubin. Donc elle arrive à une trentaine de kilomètres et à partir de là en fait on a fait un point d'accès fibre, ce qui coûte le plus cher en fait. Et plutôt que de tirer physiquement une fibre sur les 20 kilomètres qui restent, on a mis des antennes de, c'est une espèce de Wi-Fi, un Wi-Fi directionnel à très haut débit. Ouais, d'accord. Donc depuis le point dans la vallée, on a des antennes à 2 gigabits seconde. Donc ce qui peut permettre aussi d'augmenter jusqu'à 2 gigas d'ici. D'accord. Bon, et quand ça rame, c'est parce que Vera Rubin a fait plein de photos. Non, ben, on a un pôle pour nous, donc ça doit pas trop influer. Bon, là, ils n'ont pas encore commencé à observer, mais là, l'idée, c'est d'avoir un pôle indépendant. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, soyez patients. Il y a des belles photos qui viennent. Et vous montrer. On va repasser sur Stellarium et on va basculer sur une vue plus générale pour vous montrer un petit peu ces constellations que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vais juste contrôler l'heure. Je suis pas très habitué. Ouais, c'est ça, 5h01 a priori. Donc voilà. Si vous regardez par exemple le ciel, le ciel de l'hémisphère sud, vous n'avez pas l'habitude des constellations que vous voyez là. On a Hercule qui fait une drôle de danse, par exemple. Voilà, on a Vega de la Lyre qui est en train de se lever. Voyez. Vous avez l'aigle ici, et puis dans le sens inverse, alors, je suis complètement azimuté quand on voit cette vue-là. Voilà, là vous avez, non, c'est pas la Grande Ourse, c'est la constellation de la Vierge qui est à l'envers. Là vous avez le Lion qui est en train de se coucher, qui est à l'envers également. La chevelure de Bérénice que vous connaissez, le Bouvier, tête à l'envers. Voilà, on est complètement azimuté en fait quand on arrive de l'hémisphère nord. Et par contre, là, vous avez le corbeau qui est encore très très haut, mais qui est passé quasiment par le zénith, quelque chose comme ça, la balance, là. Alors, on avait le scorpion, voilà, le scorpion, alors là, quand vous le voyez, mais alors là, on est un peu la tête à la renverse, on regarde vraiment au zénith, et vous avez le scorpion, vous avez la totalité du scorpion, avec la queue du scorpion, avec certaines choses qui sont invisibles depuis la France, par exemple, hein. Donc ça c'est quand même assez étonnant, puis ces constellations bizarres, le télescope, la couronne australe, l'autel, le pont, l'indien, l'octan, donc le pôle sud céleste justement, bah c'est, je crois que c'est relativement par rapport à l'octan hein, qu'on se pointe je crois dessus, oui, il est là le pôle sud céleste, et donc vous voyez que vous n'avez pas d'étoiles brillantes au niveau du pôle sud céleste, donc pour le pointer en fait, vous avez justement des petits repérages un petit peu bizarres sur votre viseur polaire, et ils servent justement pour la constellation de l'Octan. Il y a le petit nuage de Magellan qui est là, qui est vraiment très très bas, le grand nuage est ici très très bas également, et à l'inverse d'un ciel dans l'hémisphère nord qui évolue comme ça, en fait, il évolue comme ça. Il évolue vraiment dans le sens inverse dans le sens des aiguilles d'une montre, justement, le ciel austral, à l'inverse de ce dont on a d'habitude. Donc on a été voir là tout à l'heure le grand nuage de Magellan.
Ensuite, on est monté sur. On a été voir le crayon qui était par là, et puis on a La commencé à carène, non? monter là avec la carène. La carène, elle est là. C'est ça. On est en train de Voilà. remonter effectivement le long de la Voie lactée et on va se diriger à la fin, je pense, vers le bulbe, le centre de la galaxie, en passant par aussi deux objets qui sont dans le centaure, qui sont très beaux. Voilà. Donc il faut qu'on avance. On a 1 heure et demie devant nous, donc là. Mais je te fais confiance, tu gères la montre. Hein. Mais voilà, on est vraiment sur un ciel absolument fabuleux. Alors ça y est, on a la première image, donc on bascule sur ta vue. Donc là, on va commencer comme d'habitude par faire le plan plutôt général. Alors là, la nébuleuse, pardon, est toute petite. Juste pour resituer dans le ciel, à droite ici, vous avez des nébulosités qui appartiennent ou des extensions en tout cas à la carène. Parce que la nébuleuse de la carène, en fait, elle est sur la droite, elle est ici. Et à gauche, en bas à gauche, on a le tout départ de la nébuleuse du poulet qui court. Donc D'accord, on est voilà. vraiment au En milieu fait, de ta ça. caméra, elle est pivotée de 90 degrés, là, par rapport Oui, à elle la est pas la vue même. Altaz. C'est ça parce que, enfin oui, sur mon setup, elle est pivotée de 90 En degrés fait, pour ton... respecter le gap Voilà. focus. Non, mais c'est aussi que ton nord, en fait, ton nord est en haut, ton sud est en bas. Mais comme on est en train de regarder à la droite du pôle sud céleste, forcément, ça fait une orientation de caméra un peu bizarre. C'est ça. Donc là, la nébuleuse de la Statue de la Liberté, elle est très connue parce qu'il y en a pas mal qui circulent sur Internet et notamment de télescopes qui ont pas mal de focales. Donc moi, avec mon petit setup, on voit pas grand-chose. On Et commence pourtant, à on a voir déjà des jolies petites effectivement. choses. On a les petites choses sympas, mais alors là, j'ai la vue moi à droite du RH, c'est encore une fois très beau. Et vous allez savoir pourquoi. Enfin, on Pourquoi on l'appelle l'appelle la justement Statue de la la Liberté? nébuleuse. Ah ouais, c'est incroyable. Donc là, on voit des arches qui sont caractéristiques de cette nébuleuse, la double arche là ici. Donc là, vous voyez donc en couleur. Donc vous voyez que c'est une zone qui est très riche à la fois en nébulosité, mais aussi en structures plus sombres qui masquent la Oui. lumière des étoiles qui sont derrière ces structures par rapport à nous, point de vue sur Terre. Sans Et là, une on est pause de vraiment 3 minutes, c'est de la folie, quoi. On est en plein centre, on est en plein dans l'axe de la Voie lactée, donc c'est vraiment très riche en étoiles ici, hein, dans cette zone-là. Donc voilà, et bon, sans plus tarder, Ce serait la vue. intéressant que tu nous fasses le même genre de prise de vue depuis le plein cœur de Tours. Juste pour comparer aussi la pollution lumineuse, même avec les filtres. Avec les filtres, ouais, Ah donc là, là, on vous voit avez aussi qu'il y a des la. belles volutes et tout ça. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, Ben, c'est les le zones les champ plus général. brillantes sont un peu cramées. Hein, mais... Ouais, bah c'est, je vais, on va travailler un peu l'histo, parce que si je fais ça, ouais, donc là c'est une pause de 4 minutes, et donc là, pourquoi on l'appelle nébuleuse de la Statue de la Liberté? Donc là, faut essayer de se tourner la tête vers la gauche à 90 degrés. Là, vous avez la tête, là vous avez le bras qui brandit la flamme, la torche Ah oui, elle est de. en ombre chinoise en fait. C'est ça, elle est en ombre chinoise, et puis là, vous avez le corps effectivement de la statue, quoi. Et donc, si je re-augmente à nouveau la luminosité générale, voilà, donc là, vous avez les parties lumineuses qui sont cramées, mais on observe bien, donc, du coup, la double arche, qui est là, une et deux, et donc, effectivement, la forme générique de la statue de la liberté qui est là. Et c'est une zone qui est très riche, avec plein de filtres différents, enfin, les SHO notamment, soufre, hydrogène, oxygène. On peut avoir une palette de couleurs magnifique et faire de très très belles images. Ouais. Ah, ça fait rêver. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller là-bas? Alors, il y a une question de Star Fox. Est-ce que la sécheresse de l'air très sec en général a des répercussions sur les instruments et la maintenance? Pas vraiment en fait. Là, il y a des en été, on a entre 30 et 40% d'humidité. En hiver, ça peut descendre, les journées très sèches jusqu'à moins de 5%. Les risques des statiques et ce genre de choses-là. Mais sur les instruments, bah, il y a de la maintenance régulière de dépoussiérage. Après, on a l'avantage qu'on est dans une zone du désert qui est plutôt rocailleuse, rocheuse, donc on n'a pas de la grosse, grosse poussière comme dans des zones sableuses. Donc, du coup, ce qu'on fait, à tous les instruments, on passe avec du dioxyde de carbone. On a une bouteille de dioxyde de carbone et un système spécial pour passer sur les miroirs régulièrement. Éviter les dépôts de poussière.
D'accord, donc vous Mais donnez un coup ça de soufflette, quoi. demande pas un C'est petit coup ça? de soufflette. Ouais, C'est une grosse soufflette quand même. Je l'ai vu, c'est un gros tube. Une quinzaine de kilos. Il y en a un qui nous dit que ça ressemble énormément au graffiti de la troisième, du troisième album de Rage Against the Machine en cover. Ah oui, exact, bien vu, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Non, Bon. une nébuleuse vraiment sympa. Elle n'est pas grosse, elle n'est pas très grande, mais une forme très caractéristique. Vraiment sympa à regarder, ouais. Donc voilà. Et ben à la limite, pour avancer un petit peu, on va Ah bah pouvoir oui. avancer. On va changer, tiens, de type d'objet. On va faire une galaxie. On va aller voir Centaurus A. Donc là, on va changer, on va passer par-dessus, entre guillemets, la croix du sud, et on va se rendre dans la constellation du Centaure. Alors là-dessus, et bon, on va y aller. Alors tu sais me donner le... Il y a un code NGC pour celle-là ou pas? Oui. Alors là, je le connais pas tout de suite par cœur. Ah non, mais non, j'ai Centaurus A directement. Voilà, hop. 51, Alors là, c'est ça va être plus petit là comme cible, hein. ça. Ouais, c'est plus petit. Donc là, on. Bon, je lance de toute façon quand même les deux Ah setups. ouais, je crois que j'ai déjà vu cette forme quelque part. Et oui. Alors, hop, Stellarium. Donc en fait, par rapport à tout à l'heure. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Stellarium. Non, voilà. Donc on est dans Stellarium et pour vous montrer la vue un peu générale, on était. Donc la Croix du Sud est là et on était ici avec la Statue de la Liberté. Voilà. Et la nébuleuse du poulet, elle n'est pas intéressante? Si, je peux la montrer. Bon, on ira la montrer après. Pour le moment, on fait Centaurus. Là, tu as commencé à lancer le Ouais. travail. On va faire ça. On peut revenir après sur tous les Kiko, mais en fait, c'est Alors, une forme un peu abstraite, c'est pour ça. d'accord. Pour ton setup, donc il est piloté en GoTo. En fait, c'est l'AZIR qui va piloter la ZGTI, si j'ai bien compris. Par contre, entre chaque prise de vue, chaque ces groupes de prises de vue, c'est Oui. toi qui reprogramme le centre de la cible suivante. Sachant que j'imagine Oui, que c'est tu ça. t'es fait tout un calcul de coordonnées pour être à chaque fois avec un bon recoupement, etc. Donc là, bah, ce qu'on fait actuellement, le mode preview, il se déplace en coordonnées et il fait une petite Un petit plate solving. un petit plate solving visuel. Donc il regarde les étoiles et confirme. Ou alors, parfois, il réaffine un petit peu en changeant légèrement le champ et après c'est bon, ouais. Donc c'est très facile à faire, ça va vite et c'est que du bonheur. Franchement, c'est génial, ça va très très vite à faire, ouais. 240, on va peut-être faire moins. On te fait confiance, on va regarder un petit peu ta manipulation de. Alors tiens, bah pendant ce temps-là que tu es en train de nous faire ça, ce que je te propose, c'est qu'on va mettre la vidéo, mais qui te présente toi, et tu vas expliquer un petit peu ton projet quand même, sans trop spoiler, mais bon, déjà aussi un peu le projet que tu as fait toi-même pour jusqu'à présent. D'accord. Alors voilà, elle tourne la vidéo, mais j'ai baissé le son, vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, pourquoi moi je suis au Chili? C'est pour faire avancer un projet que j'ai commencé depuis 2018, qui s'appelle le projet Uranos, qui consiste à photographier toute la Voie lactée. Alors, enfin, stricto sensu, c'est pas exactement ça, puisque je me contente de photographier la Voie lactée le long de son axe. Il y aura un champ d'à peu près 70 degrés de haut quand même, donc c'est la très grande partie de la Voie lactée. Et en 2018, j'avais déjà fait un premier essai, j'avais commencé à faire des photos, je le faisais au col de Restefond en France, donc 2800 mètres d'altitude. L'idée, c'est de faire une mosaïque à haute résolution de la Voie lactée. Et entre-temps, malheureusement, j'ai pas pu avancer comme je voulais. En plus, il y a eu le Covid. Et là, ce qui s'est passé, c'est que bah, avec le petit setup que j'ai acheté, et aussi bah, le fait de pouvoir, grâce à Upstack, grâce à Vincent et à toute l'équipe d'Upstack, de pouvoir venir ici faire le projet, et bien d'y aller très fort et donc du coup d'avancer.
de faire une nouvelle version également. Donc on passe d'un appareil photo à une caméra CMOS refroidie, donc on a un énorme gain de sensibilité. Et donc voilà, donc ce sera une mosaïque qui sera très grande, beaucoup de détails sur la Voie lactée. Je ne vais pas trop effectivement en dire plus pour l'instant parce que je présenterai ça beaucoup plus en détail au mois d'avril. Mais voilà, tout reste à faire encore parce qu'il n'y a pas de, mis à part la photo que j'ai publiée récemment du Centaure, de la Carène et de la Croix du Sud, qui fait partie effectivement du projet Uranos. Donc vous avez un aperçu de Donc on voit la. sur la vidéo, exactement. Voilà, donc ça c'est typiquement une partie de Orano, c'est encore là la qualité est très faible parce que c'est une sortie qui a 25% de la résolution finale. Donc ce sera 4 fois plus détaillé à la fin. Un truc de fou. Bah là ce que vous voyez typiquement, ce que je vous montre dans le live, ce sera la finesse de Orano, hein, puisque c'est le même setup. C'est juste On aura affolant. une... C'est juste On affolant a comme une... projet. On a Et une donc tu étais à résolution. Saint-Véran, hein, récemment là. Oui, Cet hiver. exactement, c'est ça. Pour faire la partie où j'ai commencé de l'étoile polaire et Andromède pour aller jusqu'à à peu près Orion. Et là, du coup, du Chili, j'ai repris Orion. Et là, actuellement, j'ai arrêté. Je me suis arrêté au niveau des nébuleuses de Oméga, pardon, et de l'Aigle. Et là, il me reste à faire, à boucler, c'est-à-dire reprendre grossièrement au niveau de la En Trifide. fait, il faut faire toute la zone de l'été, quoi, après, maintenant. Exactement, c'est ça. Et après, je remonte, du Été, coup, cette hémisphère année à nord. nouveau. C'est ça. Et je remonte à Saint-Véran encore une fois cette année pour boucler. C'est ça. Ah, tu montes quand à Saint-Véran? C'est pas encore sûr parce qu'il faut que je calcule le meilleur ratio temps de nuit versus hauteur du bulbe galactique. Ouais, d'accord. Parce que c'est très compliqué. Justement, je t'expliquerai ça en avril, mais les calculs, enfin, c'est pas les calculs, mais les champs sont immenses. Et du coup, entre la première image que tu prends et la dernière que tu prends, il y a 4 heures de décalage. Oui, et t'es vite embêté par la pollution lumineuse. J'ai voulu faire un petit peu une zone C'est ça. justement avec mon Saviom 135 justement sur ces zones-là cette année à Saint-Véran. Et c'est vrai que quand t'es proche de l'horizon, voilà, bah, tu commences à souffrir d'un gradient avec la pollution lumineuse et tout ça. Et comme c'est tellement riche la Voie lactée, c'est très difficile de faire une soustraction de gradient de foncière. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi, par exemple, pour le projet, je m'interdis de shooter à moins de 30 degrés. Parce que le problème, c'est que Sinon, tu tu shootes... boufferais du signal avec la soustraction de gradient, tu pourras pas t'en C'est sortir. ça. Et comme ce sont que des poses unitaires, il faut maximiser le plus possible, c'est-à-dire aller dans les meilleurs ciels du monde, avoir un objectif ouvert à F2, une caméra CMOS avec un rendement quantique de 80%, voire même plus, un petit peu plus là. Donc faut vraiment mettre toutes tes chances de ton côté pour ce projet-là. Ouais. Truc de fou. Tout est calculé, c'est des mois et des mois de préparation. Voilà, je vous montrerai ça en avril, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, comment vous gérez quand un télescope a besoin de faire une enluminure d'un miroir, demande Cyril. Donc, Ah Vincent. ben, Bah là, je pense que là, c'est le bon. propriétaire qui gère, quoi. Oui, bah pas vraiment en fait, c'est nous qui sommes à charge si y a besoin de démonter le télescope ou de réalluminer. Alors vu qu'on nettoie les optiques régulièrement et que les optiques sont en général protégées, c'est très peu fréquent qu'il y ait besoin d'une réalluminure, parce qu'en Oui, plus c'est ils plutôt prennent l'humidité qui va pas massacrer aussi les d'humidité, miroirs. ça tient plus longtemps aussi. Après au Chili, il y a la Silla, il y a le Tololo, il y a las Campanas qui ont des cloches. Donc après, si on a besoin de réalluminiser, on le gère avec eux en fait. Ouais, d'accord. Après, Alors. c'est quand il y a besoin de réalluminiser le télescope de 1 mètre à las Campanas ou le 2 mètres, il reste de la place dans la cloche, donc Il y a on moyen de s'arranger, quoi. s'arrange là. Et on loue la cloche, on loue l'espace de cloche dans ces moments-là. Bon. Alors, les images sont fantastiques. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient hein, sur le live. Moi, M106 de la nuit dernière, qui se cherche sur PixInsight, fait un peu pitié du coup. Ouais, bah là, c'est pas le même setup. Hein. Puis c'est pas le même ciel aussi. Hein. Salut SMG.
SMG qui nous a rejoint sur le Discord d'ailleurs de la communauté Astro maintenant qui est à son salon. Je crois que oui, on l'a ouvert. Alors, je ne sais plus s'il est public, mais il me semble que oui. Et donc, en tout cas, on est très heureux de t'accueillir sur le Discord. Voilà. Donc, elle est jolie cette petite galaxie. Est-ce que tu peux peut-être balancer le poulet avec ton setup nomade? Mais en tout cas, c'est une photo qui est connue, celle-là, et elle a été photographiée par Hubble, cette petite galaxie. Alors, est-ce que tu l'as lancée sur le RH? Je ne sais pas. Alors, je l'ai lancé sur les RH 3 minutes, mais je pensais qu'elle était plus lumineuse que ça. Donc là, je refais une pause à 600 secondes. D'accord. Donc là, je l'ai déjà relancé, elle tourne là actuellement. Ok. Voilà. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que là, les couleurs sont pas trop mal. Donc on Ah bah, elles a sont carrément cette. respectueuses de ce qu'on a l'habitude de voir, effectivement. Ouais, on a ce jaune et puis effectivement ce marron gris, enfin plutôt ce marron effectivement de la barre, de la structure centrale. Ouais. Donc c'est pas trop mal. C'est intéressant cette cassure au centre là. C'est assez amusant. Ouais. Dès que j'ai le RH, je vous montre. Hein, ça tourne là. Donc. Tra le Chili, quel bonheur ça, le Chili. C'est vraiment un pays magnifique. S'il y a un pays de l'hémisphère sud à aller visiter, c'est le Chili. Moi, je vous conseille. Bien sûr, pour aller sur les zones des observatoires. Hein. Santiago, c'est pas ultra intéressant quand même. Quoique, le centre de Santiago, ça va. Il y a une belle culture, bah, il y a des très beaux coins, toute la côte du Pacifique, des très beaux Bah villages. si, ça oui, ça c'est connu. C'est chouette ça. Viña del Mar, à côté, je sais plus comment s'appelle l'autre ville. Après, il y a la région des Grands Lacs aussi qui est très sympa. Et puis les Chiliens sont adorables. Ils sont vraiment, vraiment très, très gentils. Oui, Très très accueillants. gentil. Ah oui. L'équipe d'Upstack, les sont vraiment, je les aime beaucoup. Ils ont une bonne, je sais pas comment dire, mais ils ont une bonne façon de voir les choses, on va dire. Enfin, c'est vraiment agréable de parler avec eux. Ouais. Et ils sont très drôles en plus. Ils ont un bon humour. Donc heureusement tu parles espagnol. Pas du tout. Tu fais en anglais? Oui, en anglais, ouais. D'accord. Oui, puis l'espagnol chilien, c'est un peu particulier, hein, parce qu'il bouffe les mots, hein, quand même. Il est difficile l'expérience chilienne, il faut reconnaître. Pardon? Ça parle très vite. Ça parle très vite Ouais. et ça mâche une grande partie des mots, donc Ah, c'est il faut clair. suivre. C'est ça. Il y a pas C'est un les. peu du Jean Lassalle en espagnol. C'est ça. Alors, il reste 120 secondes pour la pause sur les RH. Bah à la limite, je vais lancer le poulet qui court, comme ça on va faire un truc un peu en décalé, on va donner quelques minutes. Alors, il y a Edouard qui pose une question, mais alors après tout ça, ça fait toujours envie de shooter depuis le jardin en France. Il y a toujours du plaisir, point d'interrogation. Je vais être très honnête. Effectivement, c'est sûr que quand tu goûtes un super ciel, alors c'est vrai que tu peux en chier aussi, parce que là, tu es un peu loin de toute civilisation. Quand tu es à Saint-Véran, je pense qu'à Saint-Véran cet hiver, quand tu étais oh, il y avait bien 50 cm, si c'est pas 1 mètre de neige, hein, là, sur le plateau de Saint-Véran. C'est quand même des conditions qui sont assez rudes là, c'est dame nature là, comme on dit, mais en même temps bah, c'est comme un marin quoi, on en chie quand on y est, mais quand on en revient on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner quoi. Voilà. Mais à côté de ça, moi chez moi là je shoote de plus en plus de nébuleuses là, et je vous dois toujours le deuxième épisode sur les nébuleuses d'hiver. Vous allez voir, il y aura des choses intéressantes, et notamment un certain nombre de nébuleuses que j'ai shootées depuis chez moi, avec un ciel absolument catastrophique, et avec quand même des bons résultats. Donc on peut quand même toujours shooter, même depuis chez soi, et ça, c'est de toute façon l'opportunité d'acquérir de l'expérience. Voilà, tu voulais dire, Max? Non, bah juste compléter par rapport effectivement à Saint-Véran, on a quand même la chance en France d'avoir de très bons ciels, notamment dans les Alpes et aussi un peu dans le Massif central. Oui. On a de très bons coins. On a la chance aussi d'avoir 4 RIS, bientôt 5, il me semble. On fait partie des pays deuxième ou je crois qu'on est le deuxième pays à avoir le plus de RIS au monde quand même, derrière l'Angleterre, il me Donc, semble. c'est quoi ces réserves internationales International de ciel étoilé. Ah ouais, On a les RICE, d'accord, ouais. ouais, Cévennes, Queyras, Mercantour, Le Queyras, ça y est, c'est Nilvasque. fait, il a réussi à le faire, Dominique, c'est cool.
Et les 1000 vaches, ça c'est le tout dernier, et il reste bien sûr le pic du Midi. Ouais. Pic du Midi, vu les observatoires qu'il y a là-bas, il n'y a pas intérêt à déconner. Non, Il y a quand même des sous hein, là-haut. Quand vous dites que les gars, ils ont au départ monté le début des infrastructures complètement à dos d'homme ou presque, ils sont allés à la pioche et tout ça pour progressivement construire l'observatoire jusqu'à la création la fabrication du téléphérique. Ça a été chaud quand même, hein. Eh oui. Ok. Ah super. On a la photo de Santorin. Ah, on va aller Donc chercher. bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors le live sera disponible bien évidemment en rediff. Et là on a vraiment la chance extraordinaire. Alors ah oui, vous avez une image toute noire là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah bah oui, parce qu'on a terminé la vidéo. Bah non. Normalement vous êtes supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il m'affiche que vous auriez une image toute noire. Donc, voilà, ça y est, les images sont en train de venir. En tout cas, voilà, bon, à tous ceux qui nous rejoignaient, donc Maxime Oudou se trouve au Chili, à l'Observatoire El Sauce. Donc vous êtes au nord de Santiago, mais quand même assez loin, au sud du désert d'Atacama, sous un ciel absolument fabuleux. Et voilà cette fameuse galaxie Centaurus A. Qui est tranché par le centre là, qui est vraiment incroyable. C'est une galaxie qui est connue parce qu'elle a été photographiée notamment par Hubble. Donc voilà, et là on est sur des objets, on n'a pas l'habitude de les avoir, donc c'est cool quoi. Voilà. Donc bonjour à C'est tous ceux ça. qui nous rejoignaient. Donc on est sur la nébuleuse effectivement Centaurus A. Donc c'est une nébuleuse qui pourrait s'apparenter un peu une lenticulaire, je pense. Non, on dit comment? Elliptique, lenticulaire? Pour moi, ça n'a pas l'air d'être forcément du elliptique, parce que elliptique, normalement, tu verrais des branches et tout ça, sauf si elle est par la tranche. Lenticulaire, bah, il y a des galaxies du Lion, non, des galaxies, pardon, dans la Vierge ou dans le Lion, effectivement, qui sont un peu des lenticulaires, mais ça fait juste un gros bulbe, en fait. Et là, D'accord. je ne sais pas trop comment la caractériser, celle-là. Mais en tout cas, il y a des Alors, choses, je pense par que le travers, quoi. bah, en fait, on a l'impression qu'il y a une nébuleuse, effectivement, donc soit elliptique ou lenticulaire derrière, entre guillemets, et devant, tu as donc la grosse barre de matière et de poussière qui passe devant. Donc, c'est un peu visuellement, en tout cas, une espèce de mix des deux. Voilà, mais elle est vraiment très très belle et à photographier, à voir, très sympa, vraiment très sympa. Ça vaudrait le coup Voilà, de s'y donc on attarder. Je comprends pourquoi il y a des gens qui installent des télescopes à El Sauce. a fait. Là, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc là, encore une fois, là c'est du H-alpha, donc c'est pas forcément le filtre le plus pertinent pour la voir. Mais je vais pas m'amuser à changer de filtre parce que Non, pour faire le non, bien focus, sûr. Mais c'est ça prend intéressant du temps. aussi de voir, de l'avoir en H-alpha. Alors, tu nous passes sur les cibles suivantes. Oui, parce que c'est intéressant de voir comment se Oh là comporte la là. monture. Regarde-moi C'est ça. mon Donc ça, choix. c'est le poulet qui court. Oui, effectivement. Tu dis quoi, Vincent? C'est intéressant de voir comment se comporte la monture. Parce que pour une pause de 10 minutes sans guidage, c'est quand même assez. Les montures Painwave, elles marchent très très bien quand même. Ça marche très bien, ouais. C'est Bah, il y a des des encodeurs monstres. absolus là-dedans, non? C'est super cool. Je pose la question. Oui, c'est des renichauts. En fait, ils utilisent, c'est des encodeurs relatifs en fait, mais. Avec une position de home. D'accord. C'est des très hautes résolutions, donc ça permet d'avoir un très très bon suivi Donc et en un fait, très la bon soft pour monture, certes, elle ne suit pas les étoiles, mais elle a quand même une relecture de sa position mécanique, quoi. Donc ça permet d'améliorer la précision. Alors, Starfox, question. Je suis équipé d'une optique Canon série L de 200 mm qui est incroyable, mais avec ma Star Adventurer, mon temps de pose est limité à 3 minutes. Je passerai bien sur la ZGT, vous en dites quoi? Bah, pour moi, la ZGT n'est pas assez. Enfin, je ne sais pas si elle est vraiment supérieure Non. à la Star Adventurer. L'intérêt de la ZGTi, bah, c'est qu'elle est motorisée sur les deux axes, donc tu peux éventuellement C'est considérer de ça. l'auto-guider. Elle a le go-to, c'est quand même assez pratique. Après, il faut que tu regardes sur du un peu plus long terme. Déjà, faire des pauses, franchement, faire des pauses de 3 minutes sur une monture nomade comme ça, c'est déjà franchement vachement honorable, quoi.
Donc, après, Elle est. j'ai envie de dire, pose-toi la question de ce que tu as envie de faire plus tard. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas acheter une HEQ5 ou une EQ6 pour y mettre un véritable télescope? Et du coup, tu vas shooter avec deux focales différentes. Mais déjà, shooter par pose de 3 minutes, parce que le problème, c'est que si tu fais des poses beaucoup plus longues avec les passages d'avions et de satellites, tu vas galérer pour faire de la réjection. Il faut un grand nombre de poses pour pouvoir nettoyer des passages, quoi. Ah là, regarde à gauche, là, on a deux traits, là. Ça, c'est peut-être des géostationnaires, ou c'est peut-être. Enfin, c'est peut-être des satellites, là, à gauche, là, de ton champ. Je sais T'en as pas, trois, là. c'est ouais, c'est peut-être effectivement un objet, un satellite, quelque chose en rotation Une succession qui de satellites. était Non, ou ça peut être une succession de satellites. peut-être une succession, ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez amusant, d'ailleurs. Vous prenez Sky Safari, par exemple, vous pouvez faire afficher les satellites. Alors, depuis la France, vous allez juste au sud d'Orion, au niveau de Rigel, à peu près, de la nébuleuse de la tête de sorcière, par exemple, et vous voyez tous les satellites géostationnaires qui vont passer. Donc, quand vous faites le suivi sidéral, et ben, ils passent devant vous, et quand vous arrêtez la monture, et ben, en fait, c'est les étoiles qui défilent, mais les satellites restent en place. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo de l'ANARES Astrophotographie sur le sujet. Mais donc, en fait, il y a quelques-uns des satellites géostationnaires qui sont en triplet, comme ça, par exemple, ou qui se suivent les uns après les autres. Bon, elle est magnifique, en tout cas, ce poulet qui court. Alors, vas-y, raconte. Je ne sais pas à quoi ça ressemble à un poulet, à moins qu'il soit bien déplumé et qu'on ait déjà commencé à le bouffer. Mais ceci. C'est un peu. Alors là, on a typiquement en fait dans cette région du ciel un alignement de trois nébuleuses plus ou moins. Tu as donc la Carène, tu as la Statue de la Liberté qui se trouve à droite, on va dire par Ouais, ici, elle est en haut à droite, c'est ça. et juste là, donc du coup, tu as le poulet qui court qui est juste à côté. Donc si on fait des petites mosaïques, on a un package de trois nébuleuses comme ça. Parmi les plus belles du coup de Ah, elle est l'hémisphère sud. magnifique celle-là. Très sympa, oui, elle envoie pas mal, donc il y a de la lumière et bah voilà, on voit ça typiquement juste avec 3 minutes de pause, on voit ça. Quand tu te dis que pour avoir une nébuleuse similaire, moi je galère pendant 3 heures chez moi. Et toi tu fais ça en 3 minutes. C'est monstrueux. Monstrueux. Vous n'êtes pas prêt pour le projet Uranos. Vous n'êtes vraiment pas prêt parce que c'est 3 minutes aussi pour la mosaïque, ça. Il y aura des choses. Bon, après, c'est en couleur. C'est pas, il y aura pas de filtre, mais il y a Oui, juste à lire mais quatre les couleurs. couleurs RGB, c'est déjà vachement bien, quoi. Et puis avec surtout le H-alpha qui donne du relief. Bah, et puis bah là, il y aura les couleurs des étoiles, surtout le jaune, le bleu. Ça sera sympa. Parce que là, les étoiles sont vertes, hein. Forcément, c'est le problème du HAO3. C'est ça. C'est vert. C'est la lune. C'est non, 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 non. C'est le filtre qui est comme ça. Oui, non, mais c'est parce que t'as la lune que t'as mis le filtre. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ok. Là, je vais lancer le prochain. Sur le RH. Alors, le RH, là, il a commencé une pose sur un grand amas, qui n'est pas très loin d'ailleurs en plus de la galaxie que l'on vient de voir. Donc moi je vais pouvoir lancer également le petit setup dessus. Donc c'est l'amas Omega Centauri. Toujours pareil, nous sommes dans la constellation du Centaure. Alors le poulet qui court, par contre, il n'est pas dans le Centaure. Lui, il est à droite du Centaure. Enfin, elle est à droite, pardon, du Centaure. On va voir ça avec impatience, avec intérêt. Ah, alors j'ai. Alors, la ZGT m'intéresse surtout pour son go-to intégré, il me semble. Fait que son prix soit super intéressant, sa capacité de charge me suffit. Je compte garder mon Canon. Ouais, alors moi je te conseille juste d'attendre un peu Star Fox. J'ai ouï dire, alors est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est confirmé que. Comment s'appelle Skywatcher annoncerait une Star Adventurer GTI. Donc avec le viseur polaire de la Star Adventurer, mais avec après derrière toute la partie go-to deux axes de la ZGTI. Et là, Alors, ça peut devenir très intéressant.
Et oui, et d'ailleurs, nous avions Matt Dietrich qui était là, à Upstack, et qui avait un des premiers exemplaires de pré-production du coup de cette monture. Donc moi, je l'ai vu. Ouais. Elle est beaucoup plus grosse que la Star Ah oui. Adventurer, motorisée deux axes. Et elle a une construction qui laisse à penser une capacité de charge vraiment intéressante. Ouais. Ouais, Ça va devenir une ça nouvelle promet. référence. Bah, le prix est plus cher, je crois qu'on est à 500 ou 600 euros quand même. Oui. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Ça a l'air d'être vraiment du matériel solide et polyvalent. Et pas très gros en plus. Ouais. Donc pour le nomade, ça peut le faire, ouais. Personnellement, ça m'intéresserait en tout cas. Bah, tu m'étonnes. Donc, là, tu es en train de viser. Alors, je vais passer sur Stellarium. Tu es en train de viser quoi? Vas-y, dis-nous. Alors, le poulet qui Alors. court. Attends, je vais revenir sur la vue du poulet qui court. Là où on était. Le ciel tourne. Donc, la carène est là. La statue de la liberté est là. Ah. Et le poulet qui court est là. Voilà. Donc ça, c'est la Voilà. succession. Et ensuite, tu vas où là? Exactement. Là, on va vers Omega Centauri, donc c'est un amas pour changer. Ah. Voilà. Très bel amas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je crois que c'est un amas globulaire, ça. Oui. Voilà. Alors, par contre, je sais pas ce que j'ai fait là. Il m'a. Ah oui, d'accord. C'est le haut qui fait apparaître toute la grille. Ok, c'est bon. Donc, Omega de Centauri. Donc, c'est un amas qui est plus lumineux. Il faut le savoir. C'est un amas globulaire, mais qui est plus brillant que M13. Alors, faudra peut-être que tu revoies tes niveaux là dans ce que tu nous montres. Mais ça va être très Blast. intéressant. Et je pense qu'avec Oui, alors. le RH, ça devrait être intéressant aussi. Là, c'est normal parce que c'est un aperçu de 3 secondes. En fait, là, c'est Ah une oui. image qui a servi à faire le bed solving. Simplement 3 secondes. Ouais. Là, elle est en train de. L'acquisition est en cours. Alors, Star Fox, sans spoiler, j'ai une AZ-GTI depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. Je l'ai eu à peu près au niveau de Noël. J'ai toujours pas sorti l'épisode dessus, mais parce que j'attends de pouvoir bien l'utiliser, notamment d'acheter les câbles qui va bien pour relier aussi une raquette. L'utilisation avec un smartphone, c'est pas mal, mais il y a quand même quelques bugs dans l'interfaçage avec Sky Safari. Mais bon, ça reste une monture très intéressante. Elle a un énorme défaut dans ce que j'ai remarqué, c'est que si jamais tu vises une cible et que tu corriges manuellement, elle s'arrête de se motoriser. Et globalement, en fait, il faut tout vraiment commander par l'interface. Finalement, la vitesse sidérale n'est pas par défaut sur la ZGTI. La mise en station, bah, là, toi, tu l'as fait avec la ZIR, Maxime, mais c'est comme tu nous as expliqué tout à l'heure. Mais sinon, la mise en station de la ZGTI, bah, tu n'as pas de viseur polaire, donc. C'est soit tu prends un pôle master, soit tu fais des bidouilles pour avoir un viseur polaire optique en parallèle. Mais voilà, elle est super chouette, mais pour moi, elle est quand même plus fastidieuse à utiliser qu'une Star Adventurer. Donc il faut vraiment que le jeu envahisse la chandelle en fait. Entre la Star Adventurer et la ZGTI, le go-to peut sembler intéressant. Comme on est sur des setups à courte focale, il n'est pas strictement nécessaire. Voilà. Là où je vois un intérêt, c'est que la ZGTI a plus de dégagement entre l'instrument et la monture proprement dite que la Star Adventurer. Or, le risque, c'est que quand tu vas commencer à passer sur un instrument un petit peu plus conséquent qu'un simple objectif photo, tu vas risquer de buter en fait dans la monture, dans certaines zones du ciel en fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, Max. T'as déjà utilisé la Star Adventurer avant ou pas? Oui, j'en ai une et c'est vrai qu'elle a parfois tu as des positions qui peuvent être gênantes avec ce que tu mets dessus. Moi j'avais un 70-208 des fois tu étais un petit peu gêné, c'est vrai. Bah, moi ce qui me gênait le plus c'était quand même sa construction qui était un peu légère.
Après, si voilà, c'était enfin, le problème, c'était la stabilité en tout cas de la Star Ouais, c'est le Aventure. Il fallait trépied, mais ça en galère. Mais j'ai fait un tuto d'ailleurs sur l'histoire du voilà. trépied de la Star Adventurer parce que j'ai trouvé en fait quel était le loup qu'il y avait sur ce trépied, auquel on ne pense absolument pas. Mais c'est qu'en C'est fait les tubes se dévissent au fur et à mesure à l'usage par rapport à la tête de monture. Et ouais, bah, il il y faut a faire gaffe plusieurs à ça. niveaux où ça se dévisse et après c'est la catastrophe. C'est la stabilité, ouais, c'est ça. Mais la ZGT, l'avantage, c'est qu'elle est plus trapue, elle est plus compacte, donc tu as un déport de masse qui est moins élevé. Du coup, alors au niveau Oh liberté, la dégagement, moindre claque. rotation, c'est pas mal, ouais. Et là, t'es On en a 3 17 minutes, là. 3 minutes, ouais, toujours 3 Oh minutes. là 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 là. Mais regardez-moi ça. Donc, il est Ouais. plus brillant que M13, la Madercule. Hein. Il est plus brillant, il est encore mieux visible. Enfin, il est vraiment visible à l'œil nu, ce mur. La Madercule, il faut un bon ciel pour le voir à l'œil nu. Oh là là, c'est fabuleux. Et puis en fait, ok, l'image est un tout petit peu verdâtre, c'est normal puisque t'as de l'oxygène 3, mais t'as quand même les aspects un peu bicolores des étoiles grâce au H-alpha. Donc c'est C'est franchement, ça. c'est super intéressant. Et des petites déconnexions intempestives. On a un petit satellite qui s'est invité. Ouais. Bon, sur le RH, la vue est pas. Ah, Je elle est quand préfère même plus limite la détaillée, distance. Bah, elle est plus hein. détaillée, mais Oh, il y a je une la trouve claque. plus Oh dure. là 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 là. À la poussière de Ah, diamant. l'autre, ouais, c'est ça. C'est Ouais, alors très. après, il faudrait jouer sur les seuils, en fait, sur le RH, pour le redensifier, en fait. C'est ça exactement, ouais. Donc là, c'est un peu compliqué comme Oh là ça. là. Et c'est là où tu vois que le RH, il est bon, hein, quand même. Il est rapide, ouais. Et là, t'as pas de petit Y comme sur M13, là. Par contre, t'as Non. deux petites zones sombres au centre. Oui. Et il est Ici, là. magnifique. Magnifique, cet amas. Très très beau. Le plus beau, c'est l'amas du Toucan, mais le Toucan, il est, on pourra pas le voir là, il est trop bas. Il est juste à côté du petit nuage de Magellan. Mais là, ils sont trop bas, ils sont cachés derrière des bâtiments là. Donc, Ouais, vraiment, petit nuage, on pourra pas le faire en fin de soirée, là, en fin d'observation. faudrait voir s'il se remonte un peu. Parce qu'il est en train de remonter, normalement. Ouais, il est en train de remonter. Peut-être en toute fin de live. On va À essayer, voir. on verra. Bon, et dans le chat, les gens, je vous trouve pas très très bavard là. On vous montre quand même des trucs. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas bien, c'est pas bien. Attendez, j'étais encore sur Stellarium. Pas bien. Voilà. Voilà la vue avec le RH. Ah, je suis désolé les gens, mais faut vous manifester dans le chat là. Quand je fais des erreurs parce que je surfe entre les fenêtres. Mais non, mais attends. Non, j'ai l'impression. Ah, si, si, si. Non, si, vous étiez en train de voir, peut-être. Voilà. Là, je vous l'ai mis. Ah, je sais pas ce que je fais au niveau des fenêtres, moi. Voilà. Mais il faut vous manifester un peu dans le chat. Je vous trouve bien endormi, les gens. Donc, C'est vas-y, ma alors faute. voilà, ça c'est la vue avec ton setup là. Remontre-nous parce que là, du coup, on l'a un petit peu loupé. Donc comme ça, voilà, cet amas-là et la galaxie qu'on a vue avant sont assez proches Ah, l'un on de voyait l'autre. bien. C'est une sacrée claque. Si, on voyait bien. Ok, oui, non, mais. Enfin, on essaye d'animer, mais soyez un peu interactifs dans le chat, les gens. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que c'est beau, oh la vache. Hallucinant, quoi. Si jamais vous avez peut-être une idée dans le chat, une idée Des idées de de cible cible, aussi. ouais, ça peut être pas mal, hein. Allez, vas-y, on continue, parce qu'on a encore plein de choses à voir. Yes. Il est 9h42, on a au moins 3 quarts d'heure devant nous. On a à peu près 3 quarts d'heure devant nous. Ok. Là, on va remonter voir un objet qui peut être visible dans l'hémisphère nord, mais très bas. C'est la nébuleuse de la patte de chat. Oh, celle-là, j'ai jamais observé, tiens. La Quatre-Pots Nébula, Alors, quoi? Alors, je vais. NGC 6334. On peut la voir dans l'hémisphère, dans le sud de la France, hein, mais Alors, 63-34, tu me dis. ouais. Ok, alors on va aller chercher ça. Elle est bien sympa. Et après, on va peut-être se balader ailleurs. Mais Alors, on alors, est par plus contre, proche de la Lune, ouais, là. on est plus Et proche on de n'est la pas Lune, loin de mais là, l'amas c'est du pas. papillon.
C'est ça. Donc là, typiquement, on peut se balader dans le centre de la galaxie. Et à côté, tu Alors as là, la nébuleuse du homard aussi. oui, bah on peut faire ça. On peut faire ça. Ouais. Et peut-être que si tu calcules bien, tu auras peut-être les deux à la fois. Alors Faut ça peut se voir. tenter avec le petit setup, ouais, avec le grand champ. Alors là. On peut faire ça en visée Ah, il nominale. l'appelle la patte d'ours. Ou la patte de chat, Ah bon? ouais. Ah, non, mais remarque, vise bien la patte de chat parce que tu as la nébuleuse de l'insecte de l'autre côté. Ah, puis là aussi, il y a du monde hein, sur toutes ces zones-là. Hein. Ça va être intéressant. Et là, tu as juste la photo de contrôle qui est venue, là. Ok. Oui, c'est ça, on commence déjà à Alors l'avoir. là, on va avoir la même orientation, toi et moi, ouais, de ce que je vois. En fait, on perd là, les deux petites bulbes là dans la nébuleuse de la patte d'ours. Et quand on bascule sur ton écran, ben, on les voit là. Donc ça va être intéressant. 169, 168 secondes là. Ça va être intéressant. Comment faire Stellarium en vrai et en plus facile? Et du coup, toi, Vincent, qui du coup bah, travaille à l'observatoire LSOC, tu as ton propre setup aussi, tu fais de l'observation, tu fais de la photo. Est-ce que tu as un site internet peut-être? Malheureusement, depuis que je gère l'observatoire, j'ai pas trop le temps de faire de la photo. Donc moi, j'ai mon setup, c'est un RH200, mais qu'on utilise en ce moment sur Telescope, c'est le Telescope 5 de Telescope. Mais bon, de temps en temps, j'essaie de faire un petit peu de traitement avec les setups qui sont ici. Donc il y a Mac par exemple qui a un 500 et un 700. Et de temps en temps, je m'amuse un petit peu sur les images pour traiter. Alors, pendant que le temps Et tourne, c'est vrai que. justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher, on va représenter la petite vue vidéo là de l'observatoire pour vous fasser une idée un peu du contexte dans lequel se trouve Maxime. On voit que vous avez fait quand même des infrastructures là avec des rampes, des espèces d'échafaudages, justement pour les toits roulants, etc. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Les nouvelles structures, elles commencent à bien, bien marcher. En fait, on a eu quand même plusieurs itérations pour arriver à ce qu'on voulait. Donc là, maintenant, les structures qu'on a, c'est une espèce de plancher flottant. Donc il y a l'air qui passe dessous. C'est bien mieux au niveau thermique. C'est fait en espèce de composé d'aluminium et c'est très bon thermiquement. Donc ça marche très bien pour ça. Vraiment, le site est magique. Ça, c'est clair. Puis ces prises de vue diverses et variées. Oh, les deux nuages de Magellan, là. C'est vraiment incroyable, quoi. Et c'est toujours impressionnant de les voir en vrai, les nuages de Magellan, parce que c'est vraiment très 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 brillant. Voilà un petit peu qui donne une idée de l'observatoire, c'est sympa quoi. Alors, elle va bientôt arriver, ta photo 21 secondes. Et ben, on va passer dessus, Max, on va voir un petit peu ce que tu nous proposes. Là, on est en plein cœur de la Voie lactée en plus, en plein dedans. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Moins 21 degrés, nous dit Ariel. Alors, je ne sais pas où t'es, mais. Pas au Chili en tout Ah cas. non, non, vous c'est des coordonnées. Non, 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 c'est peut-être des coordonnées géographiques, mais. Du homard, ça arrive. Ah, il y en a qui sont un petit peu chauds. Nébuleuse du Laurent Houmard, nous dit Carnet Astro. Génial. Ouais. On a mis dans le beau spectacle, il reste plus qu'à couper les lumières de Neuville. Ouais. Oh là là, Ah. oh regardez-moi ça si c'est pas beau. Encore un satellite, décidément, il nous embête. Ouais, là il y a un beau champ. Hein. Donc là effectivement dans ta zone, attends je vais me repérer. Donc je rebascule dans Stellarium. Alors effectivement, en fait on a la nébuleuse du Homard sur la gauche dans Stellarium et en fait elle est en bas pour toi. Ok. Donc la vue est encore pivotée. Et donc on a la patte sous. Ouais, c'est ça. Et donc par contre, les autres nébuleuses, le truc de l'insecte, là, la nébuleuse de l'insecte, elle sera plutôt en haut. Mais alors je sais pas où. Ah, Peut-être c'est le petit truc éventuellement. brillant. Non, non, non.
C'est plus proche, j'ai Non? l'impression. C'est le petit Ah. truc, peut-être le petit truc brillant là à gauche, là. Voilà, c'est Ça peut-être ce là? truc-là. Oups. Ici. Ok. Ça Bon, là, pourrait être ça. on manque de résolution, là. Ouais, on manque de Mais. résolution. Bon, alors on va basculer sur ta vue, madame, là maintenant, voilà. Donc ça, c'est la nébuleuse de l'insecte, la petite, là, remets ta souris dessus. Et La puis toute maintenant, on va petite. se balader dans le champ. Donc là, la patte de chat avec les trois petits coussinets. Ah, on repère les coussinets, ça c'est canon ça. Elle est super sympa comme nébuleuse, je l'aime beaucoup. Ah, elle est rigolote. Et en dessous, donc, alors ça ressemble un peu à un crabe, hein, c'est un peu marrant avec les yeux, on va dire, enfin une représentation un peu dessin animé, mais Ah trois oui, tout petites à pinces, fait. hein. Puis les Ouais. petits yeux du coup, ouais. Ouais. Mais bon, Ah, c'est elle est pas très canon celle-là important. aussi, ouais. Elle est sympa, ouais. Les deux, et puis les deux comme ça, tac. Puis ça sort, hein, Voilà. ça sort bien. C'est ça. Ah. Vive la caméra à chale fort refroidie. Ça marche bien. Ça marche bien. T'as pas intérêt à oublier le pain pour ne pas refaire sans borne. Oui, ça effectivement, David, t'as raison. Au niveau alimentation, c'est pas top. Voilà, il y a Itier qui dit sacrée installation. Alors, quelle différence entre le pôle Nord et Sud niveau ciel? Bah, en fait, c'est bah, tu vois pas les mêmes astres, bien évidemment. Après, l'intérêt du Chili, bah, c'est l'énorme absence de pollution lumineuse sur toutes ces zones-là. Donc, effectivement, effectivement, on se trouve dans une situation où le ciel est exceptionnel. Hein, voilà. Et il y a Claude qui dit, pour avoir passé 12 jours en février, en toute objectivité, les installations et le site sont époustouflants. Voilà. Et Maxime, impressionnante au travail. Ouais. Ah bah là, Maxime, t'es quand même descendu au Chili là pour un mois et demi, un truc comme ça, quoi. Un mois et demi, oui. Oui. C'est. Donc entre ton séjour à Saint-Véran puis ensuite le Chili, je pense que là, t'en as bouffé des étoiles, là. Oui. Bah là, j'ai pu vous comparer avec une semaine d'écart le ciel de Saint-Véran et le ciel d'Obstacle, le ciel du Chili. Et donc, ouais, j'en ai vu plein. Et puis surtout passer de moins 15 degrés avec de la neige à plus 30 avec de la poussière et des cactus, ouais. Le grand Ouais. écart. Ouais, là c'est le grand écart, ouais, ça c'est clair. Et ouais. Disons que pour Par rendez-vous en contre, terre inconnue, faut bien avoir prévu ses deux valises. Hein. c'est ça. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est de voir bah, Orion, la partie commune des deux ciels, tantôt à l'endroit et tantôt à l'envers. Alors ça, par contre, c'est assez bizarre. Et Oui, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est ça qui est marrant. Alors, Ariel, voilà, l'île de la Réunion. Alors, vous pouvez nous rappeler les deux setups utilisés. Eh ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo de Maxime. Tu vas voir le setup de Maxime. Donc, le setup de Maxime, c'est un objectif Samyang 135 Nikon, monté avec derrière une caméra donc ASI 533 couleur. Oui. Donc une caméra refroidie, le tout sur une AZ GTI, donc c'est une monture de voyage, mais GoTo, et que tu pilotes avec un ASIR. Donc tout le setup est quand même relativement automatisé, et donc tu travailles par pose de 3 minutes et pour photographier toute la Voie lactée en ultra haute résolution. Donc là on voit justement le télescope qui fait des entre guillemets des petits à-coups, mais parce qu'en fait il passe d'un champ au champ suivant. Et en fait, tu passes toute la nuit à reprogrammer les centres de chacune de tes dalles pour pouvoir faire ta mosaïque géante, quoi. Donc là, on voit la nébuleuse bah, de la Carène, justement, que tu as photographiée il y a quelques jours. Et encore, c'est pas dans la résolution maximale. Donc, pour donner un peu l'ordre d'idée de la furie que ça va représenter, ça, c'est une vue à Saint-Véran. Toi aussi, tu piques les volets pour pouvoir te protéger du vent. Parce que je Eh vois. oui, Copieur. il y avait Ah ouais, non mais là, il y avait du vent à 60 km heure Oh et il putain. restait une nuit, j'avais pas le choix, il fallait que je refasse une prise. Ouais. Et du coup, avec Jean-François Gélig, s'il est là, je le salue, mais on a fabriqué des déflecteurs comme ça devant et en fait, le setup est à tourner à ras le sol, à ras la neige et il Ouais. a photographié 72 champs, même plus que ça. Non, j'ai fait deux blocs de 72, donc j'ai fait 144 champs. Ouais. Et il n'y en a pas un qui est pété et j'ai pas de dérive, tout Oh va la bien. vache, le bonheur. Ouais, non, ça c'est effectivement, c'est le Saint-Véran, c'est l'inconvénient, c'est le vent.
Je suis bien placé pour le savoir avec le photostroke, à chaque fois appliquer la moitié des volets de la station pour pouvoir faire une protection, quoi. Et puis il y a des fois où t'entends plom comme ça, t'as tous les volets qui tombent. Heureusement, je les mets de C'est telle clair. façon à ce qu'ils ne tombent pas sur le télescope, parce que là, le télescope, il aimerait pas. Parce que je rappelle que c'est une structure en bois avec des tubes de carbone et des rotules, donc si jamais ça tombe dessus, ça pète tout. Donc ça c'est pour le setup, donc le petit setup, le gros setup. Alors je sais pas si tu m'avais envoyé des photos, Max. Si, je t'ai envoyé sur Facebook, tu peux les avoir, ouais. Et des petites vidéos aussi de l'officine Stellaré, ouais. C'était par Facebook que tu me les avais envoyés? Ouais, ok, alors attends, je Oui. vais essayer de voir pour les ressortir. Pendant ce temps-là, on est en train de te voir. Là, tu changes de site, de cible IC Oui. 4606. Ok, alors attends, Ah, je vais ça, montrer c'est sympa. dans Stellarium. IC 4606. On la voit en France, hein. Ça c'est super connu, mais là, pour vous Elle est plus dire, haute. Ah oui, oh, bah ce chant-là. là, Alors là, tu vas nous faire pleurer notre race, là, parce que là, ça, ce là, chant est incroyable. ah Alors oui, attends. non, mais il est au zénith, là. Là, il est au-dessus de ma tête. Il Alors est au attends. zénith. Et il faut que C'est je vous mette incroyable. Stellarium. Vous allez reconnaître le chant pour ceux qui ont suivi mes épisodes. Vous allez. Ah merde! Voilà. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous connaissez ce chant-là. Et ce chant est incroyable. C'est le plus beau. Ah, c'est un des plus beaux chants qui existent, ça c'est clair. Alors, je vais essayer d'aller retrouver tes photos. Alors, juste en parallèle, j'ai eu un petit problème avec la caméra du RH, donc j'ai refait une pause à nouveau sur la patte de chat. D'accord. Donc là, dans 5 secondes, normalement, je devrais la voir et je vous la montre. Aïe, aïe, j'ai une erreur. Bon. Ça va pas, ça. J'ai mon PC qui rame à mort. C'est à se poser la question de savoir si dans Windows 11, Microsoft n'a pas mis des trucs pour faire ramer et acheter des nouveaux PC. Parce que je comprends maintenant pourquoi je galère sur les lives, quoi. Parce que même là, sans faire de traitement moi-même, j'arrive pas à. Comment dire, j'ai mon PC qui rame, quoi. Alors, par contre, je cherche les photos que tu m'avais envoyées. Ah, voilà, c'est ça. Effectivement, c'est une belle bête. On va essayer de faire comme ça. Donc voilà le télescope, le deuxième setup, donc le fameux RH. Donc vous voyez qu'on est sur un objectif, enfin un instrument catadioptrique. Par contre, la caméra se passe à l'arrière. On n'est pas comme dans une chambre de Schmitt strictement. Et la fameuse monture, donc tu me dis, la monture, c'est une. Je Une sais plus. pleine wave, évidemment. Pleine web. Pleine wave, ouais. Je pense que c'est une L500 de mémoire. C'est vrai. Sacré monstre. Hein. Mais du coup, tu peux. L'avantage, c'est que tu n'as jamais le retournement de méridien avec une monture comme ça. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Alors, est-ce qu'il veut bien marcher, le petit pépère? Regardez la taille de la caméra et puis de la roue à filtre, c'est juste énorme. C'est une grosse caméra, ouais. C'est une Moravia, C'est un peu un 61 000. monstre. C'est une gamme, j'ai regardé sur leur site, effectivement, ils placent ça dans la catégorie industrielle. D'accord. Avec deux ventilos derrière. Là, tu as une autre photo du setup. On va faire ça comme Une ça, juste 80 ED assez. comme guidage, c'est pas vilain. Oui. C'est assez drôle. Ouais, c'est clair. Allez, hop. Et... On va basculer donc Stellarium pour nous montrer un petit peu ce que l'on attend. Bon, je recommence encore une fois sur la patte de chat, parce que j'ai encore un petit bug, je suis désolé. Et du coup, on va avoir un décalage entre les deux setups maintenant pour les cibles. Là, on va avoir le résultat normalement sur la fameuse... Ah bah, dis-donc, elle se fait désirer. Auto reconnect. Alors, c'est peut-être parce que... Ok.
Voilà, salut à Pascal qui nous rejoint là, dans le chat. Alors, le visuel doit être incroyable. Ouais, non, mais le ciel là-bas est fabuleux. C'est tout noir. Vous avez réussi à me voir ou pas là? Si, si, normalement, vous arriviez à le voir, le setup. Ouais, Yes. pas mal le RH. Non, c'est une sacrée bête. Hein. Ça, c'est une sacrée bête. Ah, bah, ça commence à apparaître. Hein. Ouais. Là, en fait, ça vaudrait le coup de faire de l'empilement. Parce que là, il y Oui, là. a. Alors attends, on va basculer sur ta vue. Hop, voilà. Parce que là, effectivement, donc on repère. Hein, on a Stoma Globulaire qui est juste à côté d'Antares. Après, c'est vrai que tu es aussi sur un filtre bi-band. Et il y a une des nébuleuses qui est bleutée ou verdâtre. Et je ne sais pas si elle est en oxygène 3 ou si elle est en H-bêta. Mais là, on. C'est une zone, celle-là, c'est un juge de paix sur la qualité d'un ciel. En tout cas, pour l'hémisphère nord, elle est difficile à photographier. En tout cas, depuis la France. Elle est plutôt basse, on la voit bien au mois de mai, mais c'est vrai que si on veut la faire correctement, c'est la fenêtre de tir pour la shooter depuis la France est plutôt courte. Ouais. Ouais. Pour Faudrait que profiter je du l'essaye regard. avec le Samyang 135 à l'occasion du marathon de Messier, pourquoi pas. Quoique on est plutôt déjà sur la fin de nuit, mais. Oui, c'est vrai que le problème, c'est que c'est une zone qu'on devrait photographier ben voilà, aux alentours du mois de mai ou de l'été. Les nuits sont C'est plutôt ça. courtes et c'est assez bas. Donc c'est assez chaud hein, en fait d'avoir une fenêtre pour pouvoir la photographier assez longtemps et sortir vraiment du signal. Mais c'est une zone qui est hallucinante. Non, elle est vraiment très belle. On a presque tout. On a un amas, on a une étoile carbonée en plus jaune, on a nébuleuse, on a nébuleuse de différentes couleurs. On a en plus des nébulosités sombres. Il manque plus qu'une galaxie et on a tout le package en fait. On a Oh, et en tout fouillant un peu, ce tu qu'on dois veut bien. bien avoir une toute petite PGC par derrière. Peut-être, ouais. Ouais, oui, c'est quasi sûr, c'est sûr. Mais là, c'est très beau, c'est très complet, et visuellement, Essaye même, quand même on de va dire. tirer un petit peu sur les curseurs, même si ce sera bruité, mais de relever un peu le contraste avec les curseurs, parce que là. Ouais, on peut faire ça. Voilà, et puis resserre le seuil bas. Ouais, elle est tranquille. Ouais, ça commence un peu à défoncer. Ouais, bah Ouais. là, ça montre bien la richesse de la zone. Là, on voit les zones sombres. C'est là où on voit que le capteur est un peu petit par rapport à la taille de la zone. Eh oui. Mais c'est sûr que ça vaut le coup. Là, t'es en train de faire plusieurs pauses ou pas? Non, t'as pas Là, j'ai lancé le fait qu'une stack. seule pause. T'as pas lancé. Non, par contre, je peux faire un live stacking si besoin, mais le résultat Je sera regarde l'heure, intéressant on a pour une demi-heure. Hein. ce Il est 10 h. Donc, vu les autres bah, cibles. on peut changer de cible. Je ne sais pas si dans le chat vous avez des idées de cible. Alors non, il nous propose pas. Il faudrait qu'on fasse un rassemblement la chaîne Astro au Chili. Faites péter les pouces bleus. Ouais, enfin, il n'y a pas que les pouces bleus à faire péter si on veut aller au Chili, parce que ça coûte un peu cher d'aller là-bas, mais c'est vrai que c'est fabuleux. Tu es à quelle altitude? On est au moins à 1000 mètres, là, 1500 mètres à peu près, non? 1500 à 1600 1700. mètres à peu Ah oui, voilà. J'ai pas entendu, Vincent. On est à 1600 mètres, donc c'est 1800. pas très haut, mais 1600. 1600, bon, c'est déjà pas mal. C'est pas très haut, mais c'est en fait vu que la montagne est bien et se sépare bien des alentours, en fait, ça permet d'avoir aussi un très bon seeing et d'être bien dégagé. Voilà, donc on va changer sans doute de cible. N'hésitez pas à poser vos questions dans le live, etc. Des questions matos, des questions ben voilà, par rapport au ciel austral. En tout cas, ça, c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir faire un live comme ça en direct depuis le Chili. Franchement, Vincent, si tu as envie de nous proposer ça de temps en temps, pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Volontiers, hein, y a pas de souci, on est là pour ça. Donc, Ça peut être sympa. Alors, j'ai toujours mon petit souci sur le RH. Ça ne veut pas fonctionner. J'ai une erreur sur le lors du transfert de la photo de la caméra à l'ordi. Je vais lancer une autre cible sur le petit setup et je vais regarder ça pendant ce on temps-là. fait confiance. Voilà. C'est compliqué l'hémisphère sud, c'est pas l'hémisphère nord. Bah oui, c'est sûr qu'on a. Bonjour à Nice. C'est vrai qu'on a la tête un peu à l'envers, quoi. C'est un Alors, peu il est dommage. quelle heure?
Pour le Chili, là, il doit être 6 h du matin, je crois, c'est ça? Il est Ça, ouais. 6h05, exactement. Et on a, eh bien, on a un très beau display. On a Vénus, Mars et Saturne qui forment un triangle rectangle Oui, actuellement. il y a une petite conjonction, enfin c'est pas vraiment une conjonction, mais oui, de toute façon, il y a un balai des planètes au petit matin actuellement qui est assez sympa, ouais. Ouais. Alors, j'essaie de récupérer les coordonnées d'une formation qui est assez intéressante. C'est, ils appellent ça le Dragon. Qui est proche du bulbe, enfin du centre galactique, mais je n'arrive pas à avoir les coordonnées exactes, c'est un peu difficile à toper. Alors. Alors, il y a Andrea qui te pose une question. Combien de tuiles sont prévues pour ton giga-projet Uranos avec la 533? Alors, les estimations font état entre 2000 et 2800. Le furieux. Ah, quand je parle d'un Parti. projet infini, je pense que pour mon teaser, j'ai bien choisi le truc, hein. C'est une estimation parce que il y a plusieurs facteurs. C'est compliqué à expliquer, mais ouais, Alors pendant que tu fais c'est. ça, on va mettre la petite vidéo qui te présente. C'est vraiment, j'aime bien mon petit teaser, il est sympa. Il est sympa quand tu vois le premier traitement que tu as fait là en vitesse. Là, c'était depuis Saint-Véran, je reconnais ce panorama fabuleux de Saint-Véran. Quel bonheur! J'y retourne cette année, hein, les gens, ça c'est clair. Ah, c'est NGC Et si 6188. jamais les deux groupes que je connais y sont d'affilée, peut-être que j'y serai pendant 2 semaines d'affilée. Et peut-être qu'on vous fera un live depuis Saint-Véran. Mais on verra. Je ne sais pas du tout vous le promettre encore pour le moment. Voilà, donc en hiver à 3000 mètres d'altitude. Là, t'as bien dû te les peler là quand même, à l'observatoire de Saint-Véran. Il faisait plus chaud que l'année dernière, mais ouais, il fait pas chaud. Quand il y a du vent, tout de suite, c'est la catastrophe, hein. Il fait très froid. Bah moi j'ai shooté par moins 4 degrés et le photostroke à un moment donné a dit stop. Il a dit j'en ai marre. Les moteurs ils tournaient plus. C'est électronique, ça. Ouais, c'est ça. Bah, Bah, pareil, il y a un c'est moment donné, tu avais l'électronique, mais c'est l'impression que aussi, tu sais, je suis en galet sur un. Comment ça s'appelle? C'est du galet sur secteur lisse, donc voilà, ça aide pas. ouais, effectivement. Alors, il y a François qui dit je possède un Celestron Nexstar Evolution. Voilà, donc là pour le moment, Max est en train de shooter MGC 6188. Donc on va vous montrer dans Stellarium ce que ça donne. Alors, Stellarium. Ok Vincent, j'ai vu. Merci. Donc on a dit SNGC, pardon, vas-y, répète. Ce que je suis en train Oui, vas-y. de faire NGC 6188. Hop. Alors, c'est une belle petite nébuleuse là aussi. On va voir ce que ça va donner, hein. Nébuleuse de l'arête. Alors, ils appellent ça aussi le dragon de l'autel. D'accord. Ok, on va voir ce que ça va donner. Je suis en train de voir pour effectivement le RH. Donc on a une première vue de contrôle. Alors je reviens sur le chat. J'aimerais débuter dans l'observation avec un Dobson. Quel est le diamètre conseillez-vous? Pour du planétaire et du ciel profond. Bah, le premier vrai bon Dobson, c'est du 200 mm. Après, c'est une question de budget. Plus tu grossis, enfin plus tu as de diamètre, mieux c'est. Hein. Très sincèrement, mon 400, c'est que du bonheur en visuel. Il est fabuleux ce 400. Mais le problème, c'est la transportabilité. Alors, moi, j'ai réussi à le compacter à 24 kilos, et heureusement que je l'ai bien compacté. Mais sinon, voilà. C'est une question, en fait. Le meilleur télescope est celui qu'on utilise. S'il est trop balèze, bah, tu peux pas trop forcément facilement le transporter. Et 200 mm, c'est un bon diamètre pour avoir un bon visuel. Voilà. Et F6, c'est le rapport FD, il vaut mieux pas être au-delà. Hein, parce que 6 x 6, 36, ça commence à faire des oculaires de longue focale. Merci pour l'idée de cible. NGC 6302, la nébuleuse du papillon dans le scorpion, proposera Sylvie. Alors, la durée de la nuit au Chili est-elle la même qu'en France, demande Jupiter? Ben, en fait, ça dépend de la période de l'année et ça dépend de la latitude, parce que le Chili s'est étendu sur, hein, au moins 3000 km de nord au sud, c'est ça?
Donc, en fait, tu pars du tropique du Oh là là. Capricorne pour descendre, pour te retrouver au-delà de la France en termes de latitude, quoi. Donc, latitude sud. Donc voilà pour donner l'idée. Tu me corriges, hein, Vincent, 3 000 km, c'est ça? 4 500 en fait. 4 500 km, voyez. Donc en fait, tu as vraiment toutes les latitudes au Chili, et donc forcément, les durées de nuit sont pas les mêmes en fonction des zones de latitude. Voilà la durée de la nuit au Chili. Voilà. Avec la table équatoriale, c'est l'Extreme Nexter Evolution. J'ai un doute pour la photo. Bah, le problème du Nexter Evolution, alors il faut que tu me corriges si c'est un Schmidt Cassegrain ou si c'est un Maxutov. La table équatoriale, effectivement, devrait permettre, mais le gros problème, c'est que idéalement, enfin, un des problèmes que tu vas avoir, c'est aussi le rapport FD de l'instrument. Même avec un réducteur de focale, tu le descends quelquefois à F6.3, c'est quand même pas simple pour faire de la photo du ciel profond quand tu compares par rapport à F2, c'est juste pas rien à voir. Alors, la question, est-ce que toute la mosaïque, elle est programmée, demande Andrea. Ben non, tu programmes tout, tu fais tout à la main de changer de cible, en fait. Alors c'est les Non? deux, mon capitaine. En gros, la V1, celle que j'avais commencée en 2018, c'était à la main et c'était même mécanique parce que j'avais mis une tête panoramique sur une Astro Track. Donc ça, c'était un peu artisanal, mais ça marchait. Par contre, fallait rester toute la nuit pendant 4 heures à 5 heures à côté. Je m'asseyais sur une chaise et je tournais ça à la main. Et là, pour le coup, ce sont des blocs, ça fonctionne par blocs. De 63 à 72 champs, et ce sont des séquences effectivement qui sont programmées et que tu insères après dans l'AZIR pour faire tes séquences. Ah, tu Par peux lui contre, programmer les séquences. Ah, mais ah donc. oui, tu peux faire des MOSA, ouais. Et ouais, avec la fonction autorun, c'est super génial. Et du coup, là, donc du coup, tu peux faire tes séquences. Par contre, il faut bien étudier les séquences. Leur déplacement aussi, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de gauche à droite à gauche, par rapport à la rotation de la Terre pour rester en C'est ça. permanence dans une hauteur Suffisante. suffisante, déjà au-dessus de 30 degrés, mais surtout dans à peu près, tu vois, la même hauteur dans le ciel. Parce que ça peut changer très vite. Ah, c'est Ouais. clair. Oh, le truc de fou. Donc voilà, quand la première photo du James Webb, bah, je crois que c'est juin normalement. C'est un travail titanesque. Courage à toi, dit Sub49. Le trio VMS sera entre 4h et 5h du matin demain à La Réunion. Alors VMS, je sais pas de quel trio il parle. Je sais pas si ça te dit quelque chose. VMS, non, ça me dit Vénus, rien. Mars, Saturne, non, quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Pardon? Vénus, Mars et Saturne, je pense. Ah oui, peut-être, ouais, c'est ça. Bah, en fait, il est visible tous les matins pour tout le monde, quoi. Alors, c'est quoi le RH? Bah, c'est de Mangloobé Boulga. C'est un astrographe, en fait, hyper rapide, quoi. C'est C'est pour Ricardy Wonders, en fait, c'est la formule Exactement. optique. Voilà. Et c'est très particulier parce qu'en fait, le primaire est aluminisé à l'arrière du primaire. Ah La oui. première surface optique du primaire, en fait, elle sert de surface De correctrice. correction. Et correctrice deux fois, à l'aller et au retour. Pas intérêt à se louper là. Alors, pour la mise en station, comment ça se passe? Demande Yoda. Bah, en fait, là, comme tu es avec une Star Adventureur, mais avec l'AZIR va t'aider. Oh punaise, oh ce chant. Oh, c'est magnifique. C'est effectivement l'AZIR qui permet de. Il a une fonction de polar align et du coup, elle utilise la caméra de principale, celle qu'on utilise pour faire les photos, pour faire la mise en station et ça marche dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc pas besoin. En fait, ça fait le rôle un peu de la pole master. Alors, j'essaie de me repérer sur ta photo. Ben, en Parce dézoomant, que, ça fait ça. ouais, lance un plate solving, tiens, parce qu'il y a plusieurs choses en fait sur ta photo qui sont Ouais, c'est ça. intéressantes, je pense. Il y a un truc là qui est pas mal, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, tu as des amas aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il y a des amas, ouais. Bon, alors, parfois, ça prend un petit peu de temps. Ah bah faut dire qu'il y a du peuple sur la photo là. Il va nous sortir, c'est ça, un plate swing avec des cercles partout.
Allez, pépère. Et c'est là qu'il crache. Alors, j'ai jamais. Alors, je. Non, j'ai jamais eu. Enfin, mon Nazir, elle a jamais crashé. Je sais pas si ça crash. Je pense que oui, parce que l'intérieur, de toute façon, c'était un Raspberry 4. Bah après, Mais. ça dépend si le truc a été bien programmé. Ça a l'air. Ça a Ça l'air, a hein. l'air, hein. Puis il y a des nouvelles versions à ce que j'ai vu. Oui, tu as je sais plus comment ils appellent ça, la puce, avec une antenne, parce que alors ça, pour le coup, très gros défaut de la version pro, c'est que la petite puce Wi-Fi, donc qui est sur la carte du Raspberry, bah, est située dans le corps de l'Azir, qui est un corps en aluminium. Bonne idée. Donc, Donc là, et en plus, la bon. portée est pas énorme. Mais Ah non. là, il n'arrive pas à nous faire le Plätzle, alors. Mais alors, je vais relancer. Annotate, ça. Si j'essaye en regardant en fait ta photo de comprendre dans quel sens on est. Ouais, j'ai l'impression que t'es. En fait, on est complètement pivoté. Et je crois que j'ai repéré un peu les choses. Ouais. Ah, on a grâce à Vincent, on a le RH qui et la caméra qui remarque. Donc avec deux cibles de d'écart, on va pouvoir voir la patte de chat avec le RH. Bien. Mieux vaut tard que Alors, jamais. C'est on va super. continuer Merci sur les Vincent. questions qu'il y a dans le chat. On voit Polaris au milieu. Bah non, la Polaris, elle n'est pas trop visible là. Bon, ça marche pas. Ça, on a pas le. On n'a pas ça. Mais. Alors, la latitude, là, on est à 35, on avait dit de latitude sud à peu près. Je crois, Petit ouais. dilemme, je possède un 150 PDS équipé. 224 MC, 294 mm pour la suite, un C9 sur la faute pour la photo et un Dobson 350 pour le visuel. Le GoTo Dob 350 de Skywatcher sans modif, ça passe pour le planétaire. Oui, il est possible, mais je comprends pas ta. Après, le 350 sera très bon pour le planétaire s'il est parfaitement collimaté, mais sinon le C9 devrait pouvoir donner des bons résultats. C'est vrai que là, effectivement, c'est pas toujours évident d'arriver à voir le meilleur, quoi. Voilà, on voit cette photo, on ne sait pas si on doit acheter une meilleure monture ou déménager au Chili. Compact, oui, c'est une bonne remarque. Moi, j'ai déménagé au Chili. Vous pensez que je peux faire du bon planétaire avec le Dob? Demande Edouard. Oui, bah oui, je te dis, s'il est bien collimaté. Mais en fait, il faudrait que tu viennes sur le Discord de la communauté Astro pour pouvoir échanger avec mes furieux de la collimation. Parce que un télescope vraiment bien collimaté, en fait, dès qu'il n'est pas parfaitement collimaté, tu perds énormément en qualité. Aujourd'hui, pour vous dire, j'ai la collimation de mon 200 qui est motorisée, pas celle du 400, et j'arrive à avoir la même résolution d'image en planétaire avec le 200 et le 400. Donc, en fait, je divise par deux la taille de mon miroir simplement par une problématique de collimation et de tenue de collimation. Voilà. Ah bah sympa la patte de chat vue de près là, on voit vraiment des jolies petites. Ça mériterait d'avoir un capteur couleur parce que là, oh là là, les détails qu'on a, c'est fabuleux. Ouais, elle est super sympa, c'est ça. On a les petits détails en fait dans les coussinets. Ouais. Elle est vraiment chouette cette neb. Donc voilà, ouais. Patte de chat, un peu en retard, mais on l'a. On l'a quand même. Canon. Bah à la limite, je vais lancer directement le RH sur la même cible que l'on a là. Parce que là, on devra avoir de jolis détails. Donc t'arrives pas à faire ton plate solving, alors attends, laisse ta photo. Ce que je vais Mmh. faire, c'est que. Donc regardez en haut de la photo, il y a deux amas, d'accord? Et puis ensuite, un peu sur la gauche de notre nébuleuse, on a. Alors attendez, est-ce qu'on a rebasculé sur ta vue? Oui, on a rebasculé sur ta vue. Et donc on a cette espèce de petite nébuleuse en S là qui est un petit peu amusante. Donc maintenant sur Stellarium, si je regarde sur Stellarium. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Sur Stellarium, nos deux amas ils sont là, NGC 6167 et Little Pincussion, et donc la petite nébuleuse elle est là, c'est NGC 6164, cette petite nébuleuse planétaire. Donc si on zoome, voilà, on retrouve sa forme un petit peu étonnante. Celle-là, ça vaudrait le coup que tu nous zoomes, ne serait-ce avec simplement ta vue.
à toi, Ouais, que tu nous la zoomes dessus parce qu'elle a l'air intéressante. Hein. carrément. Alors attends, je suis juste en train de changer ça. Tac. Alors, hop. Une petite bouille qui est sympathique, hein. Celle-là, ça Il y a un pourrait truc là. valoir le coup de pointer le RH dessus. Bah, c'est ce que je fais. Là, je suis en train de. Je viens de rechanger le filtre. Et là, on va relancer une pause. J'espère que le Donc focus salut est à tous ceux qui correct. nous rejoignent. Alors le live sera dispo en rediff. Hein. Et puis je vais relancer la musique là parce que ça fait quelque temps que je vous ai pas mis la musique là, alors qu'on est là pour surfer avec un petit côté un peu comment ça s'appelle ASMR. Tu avais dit, il y avait quelqu'un qui voulait le papillon, Oui, je crois. qui était demandé dans le chat. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, donc là, le RH, il est en train de tourner sur la nébuleuse que vous voyez actuellement. Et dans ce cas-là, je vais lancer le petit setup sur le papillon. On va évoluer comme ça Elles par saut sont de puce. vraiment fabuleuses ces photos. Alors la question c'est est-ce que ton petit setup il les a mémorisés dans la carte SD? Toutes ces photos, non. Alors, en mode preview, non. Par contre, si je clique sur ce bouton-là, oui. Ouais. Là, par exemple, Ah si bah c'est ça. faut penser à le faire, dommage. Voilà. Et en fait Donc là, c'est tu nous les posteras dans le Discord de la communauté? fait. Bah là, pour le coup, bah celle-ci, oui. les autres, non, mais on va commencer à faire Bah de ça toute façon, maintenant. les autres, pour un certain nombre, tu les as photographiés dans le cadre de ton projet, donc on les reverra tôt ou tard. C'est ça. Bah la Karen, j'ai 15 heures dessus. Le Je te la furieux. montre aussi. Je Oui, te parce la que là, montre t'as fait aussi. une mosaïque Alors, sur la carène en plus. oui, ouais, là il y a une Moza, ouais. Alors, ah oui, le papillon, mais oui, exact. Mais la zone est belle, hein. Oh, punaise. Alors, est-ce qu'elle est petite par contre, le papillon? Je regarde ça vite fait. Avouez que les gens, c'est agréable d'avoir de commencer un week-end avec un live comme ça. On va tenter le papillon. Je sais pas la taille qu'elle fait, mais on va tenter. On est là pour tenter. Donc salut à Charline qui nous a rejoint. Alors c'est l'Azir Plus ou c'est l'Azir Pro que tu as toi? Alors moi c'est l'ancienne, enfin c'est l'ancienne, c'est la pro D'accord. qui marche très bien. C'est juste qu'elle a un petit défaut effectivement de portée Wi-Fi. De portée d'antenne. C'est ça, c'est juste ça. Alors Eva qui doit aller bosser, bon bah alors bon courage pour le boulot. Alors, ok. Comme ça vous voyez un petit peu l'interface. Alors bah moi je vais aller le faire avec Stellarium. Alors Stellarium, on a dit c'est Butterfly, papillon. Hop, Oui, dézoomé. elle est un peu petite. Ah, mais elle est à côté de la pâte. Eh oui, c'est. On l'a vu tout à l'heure. On l'a Oula. vu tout à l'heure. C'est ce que tu as appelé l'insecte? Ah, je sais pas. Attends, elle s'appelle comment là? Parce que là, je ne sais pas Butterfly. C'est 6302 NGC. Je vais refaire une pause. Bon, là, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais Ah après, on oui, a un bah champ c'est qui est un petit peu un peu déclenché mieux. Donc effectivement, elle est pas loin de la par patte d'ours. rapport à... Ouais. Bah, on a un champ qui est un peu Ah oui, décentré, oh donc bah on peut faire celle-là. une pause. Celle-là, c'est une furie, quoi. Ouais. Ouais, c'est une grande furie, celle-là. C'est une des photos les plus célèbres de Bol aussi, hein. Oui. Mais elle est peut-être très petite. Là, c'est sûr que le RH va nous aider. Donc le RH actuellement, il est sur la nébuleuse d'avant. Je vous la montre rapidement et ensuite on saute directement sur le Ouais, papillon. 10h22, là, on commence à devenir short. Il faudra peut-être penser à envoyer le petit setup aussi sur le petit nuage de Magellan, si tu arrives à y accéder. Alors attends, je regarde. Ouais, il est là. Ça peut se tenter, ouais. Commence à remonter. Alors, ce qu'on va faire, ok, donc j'interromps la pause. Donc le papillon, on va la faire, mais uniquement au RH.
Et le petit setup, il va directement sur le petit nuage de Magellan. Et en même temps, on aura la main du Toucan, normalement. Bon, ça va être intéressant, ça. Merci, Somly, pour la modération. J'ai une équipe de modération qui est vraiment super chouette et je ne peux que les remercier pour l'énorme boulot qui est fait tant sur le Discord que sur le groupe Facebook, que sur bah, pendant les lives, etc. quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de sympa à l'intérieur? On va avoir NJC 371. Alors, voyons voir. NGC 371. Ouais, alors ça, c'est juste une nébuleuse qui fait certainement partie du petit nuage et ça me permet de centrer le champ surtout. Donc on va Alors, aller je faire ça vois. avec Stellarium aussi. Ouais, je vois mon setup qui tourne devant moi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il va pas taper dans le. Enfin, taper. Il va pas être gêné par le bâtiment. Bon, sinon tu le rases. Vincent va pas t'en vouloir. Oh, non, 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 Ah non, bah non. c'est le bâtiment 1 en plus, c'est le bâtiment où je dors moi. Non, 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 non. Mon Non, lit. c'est le plus ancien. Ah bah en plus, c'est le bâtiment où il y a Los Calvos, l'observatoire de Los Calvos, faut aller leur demander avant. C'est vrai que c'est pas très très haut, hein, quand même. Non, les baronnies, pardon, les baronnies, pas Los Calvos. Donc les Français des baronnies Là, il y a un provençales. champ qui y a effectivement l'amas du Toucan, petit nuage de Magellan. Il y a pas mal de choses, hein. Vraiment. Bon. Ah, on est au ras d'un bâtiment là. Ouais. Par contre, l'amas du Toucan, tu peux le viser, hein. Le Toucan, ouais, je. Bah, il est à côté. Bah, c'est ça, mais Par tu dois contre. pouvoir arriver à le viser en le visant lui. Je sais pas si c'est le Toucan en fait, si tu veux ça. Ah. Quoique. La main du Toucan, il est poche là. Je pense qu'il est dans le bâtiment 1, là. Il doit être en dessous. Ouais. L'amas du Toucan, en vision Altaz, hein, il est un peu en haut à gauche en fait du petit nuage de Magellan. Donc en fait, lui, ça peut peut-être passer. Hein. Attends, on va changer de pose, on va faire des pauses rapides. Ouh, j'ai fait une bêtise. 800 fois, Je l'ai. oui. Oui, bah là je l'ai entendu, là j'ai fait oui, non, non, C'est vrai qu'elle est bruyante en plus de ça, la Star Adventurer. Non, la ZGTI. Voilà, bah, bonne journée à ceux qui nous quittent et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, oh, Edouard, merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour Oh. de l'info, la masterclass. Tu seras pas Oh la là vache. sans vos vidéos. Voilà, pour une petite Pardon. glace à Saint-Véran. Alors, il n'y a pas vraiment de glace, une cagnotte pour le séance. Non, mais t'inquiète pas, Edouard, j'ai d'énormes projets qui sont en vue. Pour le moment, je ne spoile rien, mais j'ai un énorme projet sur lequel je travaille, qui est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'astronomie amateur sur Internet. C'est quelque chose d'assez énorme, qui tournera autour du serveur Discord, et de la chaîne. Et voilà, c'est tout un énorme projet, avec un énorme investissement, mais voilà, pour le moment je veux rien dire parce que c'est un projet qui va mettre du temps, c'est un projet qui verra le jour dans à peu près un an, peut-être un peu moins. D'ici là il y aura d'autres choses, bah, autour du 400 mm de motorisé le porte-oculaire pour le planétaire. Il y aura une nouvelle table équatoriale dont vous allez bientôt entendre parler d'ailleurs par rapport aux 400, qui va nous faciliter le boulot pour les lives lunaires et pour les lives planétaires. Pour le ciel profond, il va y avoir l'acquisition d'une caméra pour le ciel profond refroidi qui permettra de faire du visuel assisté. Et puis un énorme projet, mais un machin dont pour le moment je n'annonce pas encore l'information tant que je ne suis pas certain que ce soit lancé. Mais il y a une étude de faisabilité sur un très gros projet et quelque chose, je vous le dis sincèrement, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'astronomie amateur. Un télescope Gucci, non, peut-être pas Gucci, mais à la limite, si tu me contactes par message perso, je te dirai ce que c'est.
Pour le moment, je préfère pas trop l'annoncer. Alors, est-ce que tu es arrivé à quelque chose quand même malgré tout là? Bon, on voit que ça se dégage un Ouais. petit peu, mais tu vas avoir quelque chose dans le champ. On va forcément voir quelque chose. J'ai l'impression que les deux trucs que l'on voit là, c'est ces deux des bulbes qu'il y a dans le petit nuage de Magellan, ça. Je oui, peut-être c'est peut-être ça se trouve le toucan il est en bas, je sais pas. Bon, j'ai lancé la pause. Par contre, je vous montre la cible d'avance, c'est fantastique. Le champ là dans le RH, Alors, c'est vas-y. du même acabit que la carène. Alors le champ, enfin là, c'est juste pour redonner le nom. C'est NGC 6188. Le dra, enfin pour moi j'appelais ça le dragon. C'est violent. Oh, ça c'est Très très joli. beau. Donc voilà le Magnifique. champ principal, mais surtout là on a un Attends, mets-le, mur. zoom, zoom. Oh là Ah là ouais, là là. là on a un mur de C'est incroyable. ciselé, c'est splendide. Ça mérite à shooter avec un bon capteur couleur. Et... Oh là 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 là. C'est Ça très très beau. donne envie d'avoir un télescope au Chili, mais il faut avoir le budget. Alex, moi je sais. Ah, les salauds. On bisquait tout le monde. Je me garde la surprise. Mais voilà, mais ça va mettre un an, mais ça va être quelque chose qui ne se sera jamais vu. Ouais, une toute petite oblongue sur les étoiles quand même. Hein. Je dis pas, mais. Non, mais c'est canon. C'est peut-être le guidage là Ouais, qui. bah tu sais, c'est pas grave, mais qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est vraiment le genre de cible sur lesquelles après derrière bah, il faut faire de la couleur. Bon, avec la roue à filtre, il peut faire ce qu'il veut, quoi, le gars qui t'a prêté le télescope, mais là 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 là. Rendez Ouais. compte qu'on a fait cette photo quoi en 5 minutes? C'était 300 C'est secondes, ça, 5 donc minutes. ouais. C'est fou, c'est fou. Bon Après, là, c'est on a. l'avantage d'avoir un rapport FD très très ouvert. Et c'est ce que je vous dis toujours. Hein. C'est que, par exemple, avant de changer d'appareil photo, avant de changer de boîtier, il vaut peut-être mieux changer d'objectif, partir sur un Samyang 135 ou un Samyang 85. Après, il faudra que tu me dises, Max, sur les objectifs Samyang de plus courte focale. Parce que j'ai acheté le 45 pour full frame, et j'ai un gros problème de back focus et de forme d'étoile sur les bords, quoi. Je suis en train d'essayer de voir pour me faire peut-être des slicers pour reculer la baïonnette ou pour l'avancer. Enfin, c'est tout un énorme boulot, quoi. Mais Ah oui. Bah ça peut arriver effectivement. j'ai Le galéré sur 45. le 14 mm ancienne génération, mais que j'ai réussi à remettre d'équerre. Mais parce que moi, le mien, il avait du jeu quand je l'ai acheté. Peut-être que c'est un mec qui l'avait acheté sur Amazon, qui avait dévissé, qui l'avait renvoyé en SAV ou je sais pas quoi. Bon, du coup, j'ai réussi à le remettre d'équerre, le Samyang 45. Non, le Samyang 14, pardon, et le 45, il faut que je travaille dessus. Oh là là, regardez-moi ça. Même s'il y a le bâtiment, on a une zone qui est belle là. Alors, c'est vrai que. Non. Ouais, c'est superbe. Alors, c'est un peu vert, il faudrait que tu vois. Je sais pas si tu peux changer les seuils. À part Canal, je ne pense pas. J'ai jamais fait ça. Je pense pas que l'Asia te. Tu peux le faire avec l'Asia. Bon, en tout cas, tu peux ajuster le point sombre, peut-être. Déjà, ça va aider, peut-être, Exact. à redonner un peu de contraste. Hop là, voilà. Déjà, on voit un peu plus la structure globale du petit nuage. Ah non, bah le toucan, il Magnifique. est là. Ah, le toucan, il est à gauche. Ah oui, ah oui, ah oui. Vu la taille, ça c'est le toucan, ouais. Faut qu'on recadre. Ouais. Bah, sauvegarde déjà celle-là avant de recadrer, parce que. C'est sympa. Oups, là, je fais pas de bêtises. Ouais. Ok. Punaise. Sur une photo de 3 minutes, quoi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu le pilotes depuis ton PC, en fait, l'Asia. Donc tu as l'avantage de la souris. C'est ça. Là, c'est un émulateur Android, donc du coup, tu peux faire tourner l'application. Anne qui dira comment tu vends bien ton truc, j'ai envie de savoir.
Ouais, non, non, mais j'ai bien envie que ça voie le jour. J'ai bien envie de pouvoir vous le dire, et en même temps, pour le moment, voilà, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, très très clairement, vous le savez très bien. Donc j'avance étape par étape, mais je suis en train de monter un projet qui devrait être très intéressant quand ça verra le jour, en fait. Voilà. Intéressant. je vois rien. Ah, mais oui. Et il est 10h33, donc on est vraiment sur la fin du live, parce que là, le jour va commencer à se lever, c'est ça? Le jour, bah là, il fait encore pas mal nuit, mais d'ici un quart d'heure, ouais, il va commencer à faire jour tout doucement. Ouais, bon, après, on va jusqu'à plus soif, hein. Là, tu vas pas aller faire des dalles pour ton projet, là, maintenant. C'est trop tard. Bah, j'ai programmé 2 nuits pour faire des reprises parce qu'il y a quelques petits chants qui ont un petit peu de dérive, mais il n'y en a que 3 sur 978. Donc ça va. T'as fait 978 dalles là depuis que t'es Oui. au Chili. Dans le sud, il y en a 978, ouais. Vraiment un travail qui est extrêmement rigoureux, extrêmement précis. Quand je vous parle de préparer des observations, bah voilà, c'est de ça dont on parle aussi, hein. C'est un travail, tu passes pas mal de temps effectivement à prévoir les champs, quoi. C'est important. Et surtout de tout numéroter. Comme ça, si tu as un champ qui a foiré, tu sais exactement lequel c'est et du coup tu peux le reprendre. Ça, c'est Ah tiens, important. il y a David qui pose la question, est-ce qu'on peut louer un télescope au Chiliscope? Oui, bien sûr, oui. Là, donc il faut aller sur le site de Chilescope, et là on peut louer un des cinq instruments, mais il y en a six maintenant. On peut le louer à la minute, donc on peut louer soit le RH200, soit ils ont un télescope 200 mm à 1,8 aussi, un téléobjectif. Sinon, un des deux 500, des 500 à F4, ou même le 1 mètre. On peut louer à la minute, depuis une minute jusqu'à un nombre d'heures indéfini. Et donc, bah, par exemple, Xavier Stotner, etc., là, dans son travail là, sur les recherches de nébuleuses, il en a pris chez vous quelquefois? Je crois qu'ils ont loué, il me semble qu'ils ont travaillé sur le 1 mètre et sur les 500. Il y en a encore des nouvelles là, qui ont été confirmées et qui ont été numérotées officiellement, là. Avec toutes ces dalles, il y a de quoi faire cracher un logiciel de panoramique. C'est Et exactement ça. Effectivement. ben Autopano Giga a réussi à assembler 978 champs La parce qu'il vache. fallait que je fasse un montage complet pour voir si tout allait bien Ouais. et il l'a fait En full résolution ou en... oui, en full et sur mon ordi portable, Bon. donc l'image fait elle fait 1 million de pixels de long. Oh la vache. Juste en longueur, hein. La hauteur, on est à je sais plus combien, mais c'est. Tu vas nous faire le Guinness Book des records avec ça. J'y pense. Bah, de Ce toute façon, serait c'est sûr. mérité. Bah, c'est sûr que je l'aurai. Mais enfin, après, tu sais, les records du monde, il faut les catégoriser. Hein. N'importe qui peut avoir un record du monde très précis. Ça, c'est simple, mais. Mais y compris des trucs complètement farfelu et tout ça, oui, on est d'accord. Tout à fait. Mais après, je sais pas si c'est pertinent d'inscrire ça au Guinness, quoi. Je sais pas. Mais oui, j'y pense, ouais. Bon, pour un astronome amateur, c'est sûr et certain. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais l'échantillonnage, j'ai l'échantillonnage le plus précis. Truc de fou. Donc, ils auront beau dire que effectivement c'est une image très grande, très machin, très ceci, très cela, mais je leur dirais bah ouais, mais moi j'ai plus de détails. Enfin Après, en fait, voilà. ce qu'il faudrait, c'est que tu te fasses sponsoriser par Google et que tu fasses ensuite toutes les zones en dehors du bulbe de la Voie lactée, d'accord, du plan de la Voie lactée, pour pouvoir faire la totalité de la voûte céleste avec le même setup. Et comme ça, tu mets à jour complètement le Google Sky, c'est ça? Je crois que oui, c'est ça. Mais il y a un projet qui est en cours, effectivement, d'une autre personne qui, je pense, va sortir bientôt. Alors, il en parle pas trop, mais ça semble être un All Sky également.
Je suis pas sûr, et après, faut voir ce qu'il va faire. Mais oui, c'est un projet. Après, ça, c'est infini, hein, des Bien All sûr. Sky. Peut en Et faire du coup, là, plein. la nébuleuse, la Outers 4, là, qui est dans. C'est le calamar, c'est ça? Celle-là, on arrive à la voir sur tes photos ou pas? Non. Ah non, non, Outer Skies, elle est vraiment très dure. Elle Même est à très dure à F2 et choper. tout ça. Ah, alors. Ah oui, pardon. Je pensais que tu parlais dans le cadre du projet Uranos. Uranos, c'est sûr que non. Mais si tu poses longtemps avec le petit setup et le HAO3, le filtre, oui, tu peux. Tout à fait, ouais. Ça vaut le coup, hein. Alors, la map du Toucan, là t'es sur juste une image de preview, là. Là, c'est sur la preview, c'était pour m'aider à viser. Donc là, j'ai Ouais. lancé, tu vois, la Là, pause de t'as le 3 cadrage minutes. qui va bien, là. Et je pense qu'on pourra s'arrêter là après. Donc voilà. Sympa. Déjà, pour finir, en tout cas, on aura fait les deux nuages de Magellan. Puis on aura fait des belles nébuleuses, galaxies et tout ça. C'est franchement intéressant, quoi. Un bon live qui va m'accompagner en replay quand je partirai. Observer seul, bah oui, tout à fait. Quel émulateur? PCQ. Non, non, il n'y a pas d'émulateur là. Là, c'est bon, c'est l'Asie Air, mais sinon, là, c'est du temps réel. Hein, les prises de vue, là, vous allez voir, depuis le Chili. Je pense qu'il demandait c'est l'émulateur pour faire tourner l'application. C'est le Nox Player. Après, tu en as plein. Il y a BlueStacks aussi comme émulateur Android. N'importe quel émulateur Android, hein, va faire Ah oui, l'affaire. d'accord, c'est un émulateur. Ok, t'es un émulateur Android. C'est pas une application PC proprement dite. Non, Ok. c'est une sorte de VM, donc de Ouais, machine Virtual virtuelle, Machine, ouais, d'accord. qui encapsule en fait un Je OS pensais qu'il y avait une Android. application PC spécifique vraiment pour l'Android. Non, mais par contre, je crois que la communauté Non, pour PC, pardon. ZF demande ça, ouais, je crois, il me semble. Bah, ce serait logique. Bah, c'est super sympa, hein, à utiliser. L'image, Allez, est-ce qu'il patience les gens. 68, 67 secondes. Ça va le faire. J'ai eu peut-être un énorme saut sur le guidage, on va voir, mais. Ah oui. Je pense que le bâtiment, il doit avoir quelque chose qui doit gêner la caméra de guidage. Peut-être. Bah si, je vais On va pouvoir voir le. ça. Hein. On perdra rien à faire une pause et puis quitte à en refaire une deuxième. Ouais, la caméra de guidage qui voit le toucan. Ah Ici. oui. Forcément, ça va peut-être plus la gêner. Ça peut-être. Bon, on va voir. Bah, ça va, le guidage il est bon maintenant, mais. Allez, encore 25 secondes. Ah là là, c'est bon tout ça. Effectivement, là, on a les premières lumières du jour qui arrivent. Ça y est, là. Ça va bientôt être Et la fin. Il n'y a pas de Asi ça. Live ou Avi Studio en application PC, bah apparemment. Si l'Asi Studio existe en PC, mais là, avec mon setup à moi, ça aurait été compliqué. Parce que si je veux voir la caméra, je dois la débrancher de l'Asi Air, et du coup, l'Asi Air ne voit plus la caméra. Ah, Ah bon. oui. Ouais, il y a Oui. eu un bouger, faut que tu nous la refasses. Mais je crois que ça va valoir le coup. Mais peut-être qu'il faut que tu resélectionnes ton étoile de guidage manuellement ou un truc un peu du genre. C'était trop près de la main en fait. C'est ça. Non, bah, là, le guidage, ça va. Tu vois, on est en dessous de 3. Donc, Ouais. c'est nickel. J'ai relancé la pause. Voilà, j'ai relancé instantanément la pause. Et comme ça, on va pouvoir finir tranquillement le live sur ce champ qui sera pas mal. On aura une partie du petit nuage de Magellan. Et je crois, Vincent, tu m'avais dit que c'est le plus gros amas de tout le ciel, le Toucan. Le plus gros, c'est Oméga, en fait. Mais Ah, d'accord. Oméga Donc, le du Toucan, il Centaure. est plus loin derrière. Ça fait deux très Trop beaux amas d'accord. globulaires. Et t'arrives à le voir à l'œil nu, alors, les deux, là? Tout à fait, oui. Sans problème. Ouais. Ouais. Ils sont Le plus Toucan, lumineux il est. qu'M13. C'est ça. Le Toucan, il est facile à voir parce que c'est un point qui est à côté du petit nuage de Magellan qui se détache assez bien, ouais. Ça me donne vraiment envie de scanner mes photos que j'avais faites dans l'hémisphère sud. Je les ai à côté de moi, normalement. Attends.
Pour donner l'ordre d'idée, pour arriver à voir Oméga Centaure à l'œil nu, il n'y a même pas besoin d'un ciel parfaitement noir. Même, je ne vais pas dire à Santiago, mais on peut être sur Santiago, ça se voit à l'œil nu sans problème. Oh la vache, c'est impressionnant. Ah bah moi, je ne sais pas où il est mon carnet de photos de... que j'avais fait quand j'étais allé au Chili. Allez, patience, 1 minute et demie. Oui. Bah là on est en direct donc c'est là où vous voyez que c'est pas une simulation là, le bouger là on ah non là pas. C'est du vrai là. Et le RH là t'avais reprogrammé une autre cible ou pas? Non, le RH j'ai rien fait pour l'instant parce que le Toucan bah c'est comme c'est l'autre trop bas, ouais. Ah, bah non si t'avais lancé le petit S là, le papillon, pardon, j'ai oublié le papillon. Ou le papillon, ouais. Parti sur le papillon, exact, et comme ça on finira sur le papillon, c'est bon ça. Alors bah écoute, c'est Azier émulé par Nox Player depuis un PC, l'application, voilà. Alors est-ce que tu arrives à nous montrer là le RH pour ce qu'il nous donne? Là, je suis en train de le faire pointer sur le papillon. Ah oui, d'accord, t'avais oublié de le faire. J'ai oublié de le faire, ouais. Alors, est-ce qu'on peut voir la croix du sud de Mandali? Bah écoute, on n'a pas un setup assez large pour te montrer la croix du sud, désolé. Eh oui, malheureusement non. Je peux montrer juste 2 étoiles sur les 4. La jaune. Ça pourrait être intéressant parce que bon, ça passera peut-être avec le ciel levant, mais le jour levant, peut-être de nous faire les Pléiades du Sud aussi. Mais là déjà, faut que tu nous fasses celle-là parce que là, celle-là, ça va valoir le coup. Le problème des Pléiades du Sud, c'est qu'elles sont bleutées, et le problème avec le filtre, c'est que les étoiles sont vertes, donc c'est pas très beau. Ouais. Avec je pense le RH, on ne verra que. Ah, regardez-moi ça, plans. Regardez-moi ça. Ça y est, elle est arrivée la photo. Yes, ça y est. Ok, pas mal. Trop donc là, on a des satellites partout. Hein. C'est incroyable. Bah, c'est l'heure de lever de ouais. Du jour, donc c'est peut-être des Starlink. Il y en a beaucoup. Oh là là, regardez-moi toutes ces petites nébulosités H-alpha dans le petit nuage de Magellan. Puis la petite nébuleuse en haut à droite, elle est magnifique. Il faut que tu la sauvegardes celle-là. Hein. Il faut que tu gères les seuils, mais. Ouais, je vais... Ah oui, exact. On va travailler ça. Hop. Je vais virer le guidage. C'est superbe. Un truc comme ça. Il n'y a pas de flat hein, aussi, il faut préciser. Non, oui, effectivement, il n'y a aucun dark flat ni bias, il n'y a rien du tout. Forcément, c'est... les coins sont un tout petit peu plus vignettés, mais oh là là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle zoome un grand coup parce que le haut et le bas, à la limite, c'est pas très grave, mais met la pleine largeur de l'écran. Là. Alors, moi, ce que comme peux ça, faire... là, c'est parfait. Là, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Okay. Là, vraiment, il y a du monde. Voilà. Donc là, le petit nuage de Magellan. Oh, avec, encore une fois, bah, ses propres nébuleuses à elle, hein, au petit nuage. La boîte à bijoux, dit Ariel. C'est exactement ça. Hein. C'est ça. Oui, c'est cette expression-là, les boîtes à bijoux. Ouais. Et à côté, donc, on a l'amas du Toucan. Donc là, c'est vraiment une formation qui est un peu exceptionnelle. On a un très gros amas. Et à côté, on a une galaxie naine. Ça, aller se balader là-dedans avec mon 400, ça devrait être du bonheur. C'est très sympa. Donc voilà, petit nuage de Magellan et le Toucan. La boîte à bijoux, c'est un homme ouvert qui est à côté de la Croix du Sud. D'accord. Ah oui. Ok. Et très coloré aussi, qui est très intéressant. Magnifique cette zone. Magnifique. Franchement, sauvegarde-la bien, hein. Max. Celle-là, il faut la garder aussi. Alors Slowly avait posté le lien sur le Discord de la communauté Astro, remettez-le pour ceux qui ne sont pas, voilà, qui sont pas encore inscrits au Discord, et puis tu viens et tu nous posteras les différentes photos. Ouais. Parce que vraiment ça vaut le coup. À la limite, ce qu'il faudrait qu'on essaye de voir, pourquoi pas, c'est que je crée un fil
Ouais, faut voir où est-ce qu'on les pose. Est-ce qu'on les pose dans photo ciel profond ou est-ce qu'on les pose dans un fil qui est sous le lien d'accès au live? Comme ça, elles seront un peu triées quelque part, quoi. Ah là là, fabuleux, fabuleux. Ah vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous fais de m'avoir proposé de faire ce live et puis ce que tu nous montres là aujourd'hui, c'est magnifique. C'est non, c'est une bonne opportunité. C'est surtout grâce à Vincent, c'est grâce à Obstacle hein, de pouvoir faire tout ça. Donc c'est surtout grâce à Vincent et à C'est l'équipe d'Obstacle et à Francisco qui a réglé le RH hier soir avec Vincent, avec Mike Shelby qui est le propriétaire du RH. Bah, tu le remercieras beaucoup. Ouais. Mais s'il y a un site internet, faut nous donner le lien, puis on le mettra dans la description pour ceux qui regarderont le replay. Tu nous montres là C'est en cours. la prise du RH, c'est en cours hein, encore. C'est en cours, là, tu vois. Hop. Il nous reste Ah, j'avais oublié de un passer en texte pour 1080. Ah bah oui, il faut être en 1080 là pour un live comme celui-là, c'est un peu obligatoire. C'est ça. Voilà, bon, à la fin, je vous montrerai une fois que c'est fini, mais là, c'est pour vous dire que ça tourne sur le RH. Et on pourra finir sur, j'espère, une belle photo, même si ça risque d'être un petit peu petit, du papillon. On pourrait presque faire du planétaire, avec les planètes qu'on a là. Ah bah là, il y a des champs assez sympas au petit matin, là, effectivement. Punaise, là, je ne fais aucun traitement. Rien que simplement de récupérer ton flux vidéo et puis voilà, de mettre la musique, etc. Ma carte GPU, elle est à 100%, et puis mon processeur, il est à 40%. Et vraiment, il y a des trucs qui bouffent, hein. Qui prennent, ouais. Bon, on a un souci sur forcément il a recommencé à faire sa petite erreur, le RH. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc il n'y a pas encore la photo du papillon. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah oui, c'est Stellarium qui bouffe beaucoup. Enfin, Oui. parce que Stellarium, forcément, il est en 3D, donc. On va regarder ce qu'on peut faire. Bon, on est vraiment Après, sur la oui. fin, hein. On est sur la fin là. Bah, de toute façon, il y a effectivement à voir le papillon. Moi, je peux lancer une dernière pose sur un champ avec le petit setup. Si vous voulez voir la lagune et la Trifide, Ah ouais, vas-y, 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 vas-y. c'est pour le kiff, hein. On la voit en France, hein, mais on la voit bien là parce qu'elle est au zénith. Bah surtout avec le setup. Ouais. Ok, alors la lagune. Voilà, on va basculer dessus avec. Alors, NGC 6523. On voit. Dans Stellarium, on voit tous les petits satellites qui passent là. Tous les uns après Ouais. les autres. C'est ça. On aura la Trifide du coup en même temps, puisque le champ est assez large. Ah oui, t'as dit la lagune et voilà, le lagon là. Alors, je pense que là, ça va dépoter aussi comme vue. Oui, je l'ai vu. Enfin, rien que la RVB déjà marche très bien. Alors la HAO 3 devrait être vraiment sympa. Et là, ça va être la dernière image, effectivement, parce que le jour arrive très très vite. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on va remettre la petite vidéo sur l'observatoire LSOC pour vous donner une idée un peu des situations dans lesquelles Maxime se trouve là. Ça va vous donner un peu une idée. Ok. Et La Trifide et la lagune au zénith, ça doit être quelque chose. Ouais, ça doit pas mal dépoter en fait. C'est Java, c'est une horreur de consommation. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que c'est aussi de la 3D pour Stellarium. Après, je sais pas comment ils programmer Stellarium.
excellent sur le 5K. Mais regardez-moi ça, ce ciel, là, on voit hein, des nuages de Magellan et la Voie lactée, là. C'est des timelapses que tu as fait, là, ce que tu m'avais envoyé? Ce sont, ouais, ce sont des timelapses qui ont été faits dans le mois, là, c'est ça. Ouais. Oh là là là. Là, t'as un des nuages de Magellan. Là, bah, ça, celle-là, ça doit être la La carène. carène, Ah oui, et puis c'est on a ça. vu les Pléiades du Sud, justement. On les a Il vues, passe, ouais, là. c'est ça. 4 secondes de pause à chaque fois, donc c'est on voit pas Ça sort forcément vite, hein. Ça sort vite. grand-chose, mais ça bouge vite, ouais. Faut C'est à désactiver les 190 mètres. satellites. Ouais. Donc ouais. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient. Et puis de toute façon, le live sera disponible en replay parce que là, franchement, là, y a une belle claque. Donc on va revenir bah, sur ta vue là. Regardez, là, c'est juste la vue de contrôle hyper courte et on a directement la lagune. Très cool. Là, il n'y a aucun souci. J'espère que Et tu la l'as bien pêche. sauvegardée la dernière là, avec l'amas du Toucan. Hein. C'est fait, c'est sauvegardé. Donc là, on a les deux, mais c'est juste une Oh toute là petite là, vue d'aperçu. regardez-moi ça, ça va venir, ça va être beau là dès qu'on aura la vue de contrôle. Allez, 2 minutes. On va tourner, ouais. Et on est en train de voir avec. Enfin, Vincent est en train de voir pour la. Le RH, qui. La petite caméra qui a des petits soucis de connexion. Y a Donc. Prosso qui nous a rejoint dans le chat. Salut, tu nous entends? Salut! Ouais, il a coupé son Exactement. micro. T'es pas encore très réveillé, mon Prosso, là. T'as shooté cette nuit? Non, non. Alors non, parce que je suis parti, je me suis fait une petite soirée aux jumelles, un petit messieurs aux jumelles. Ah ouais. Je suis à Touffreville, là. Et par contre, j'ai pas pris le C11 parce que je suis un peu parti en mode 2 jours, donc ça aurait été un peu lourd dans mes D'accord. coups. Il faudrait un strop Mais aussi. je me. Oui. Je peux aussi m'acheter 2 C11 et en mettre un dans chaque maison. Ouais, il faut avoir le budget. Ah, bon, enfin, en tout cas, là, t'as vu, on a des belles images, là, ce matin. C'est un bon réveil. Ah ouais, mais Maxime, ça marre bien. Donc, Ouais, ça est-ce sent que Maxime peut vraiment. shooter le croissant lunaire du 1er avril Attendez. de 2022? Ah bah oui, parce que c'est le début du Ramadan, c'est pour ça. Bah là, on en a un en tout cas qui est très joli au-dessus là. Ouais. Et c'est Et vraiment le avec le petit croissant juste club. après la nouvelle lune là, qu'on veut avoir. C'est ça. Il n'est pas le premier à me le demander d'ailleurs. Allez, on va lancer un défi à ceux qui arrivent à photographier le croissant lunaire du début du Ramadan. Comme ça, on offrira ce petit cadeau-là à nos amis musulmans. Ok. Image terminée, ça télécharge. Puis je sais pas si c'est pas le début du mois de Nissan aussi pour les Juifs. Ouf! Alors là, il va Attends, attends. falloir nous régler les seuils, mais ça va être beau là. Non, pas dans ce sens-là. Oui, mais non, j'ai confondu. Hop, là, ça va plutôt dans ce sens-là. Alors. Oh là Voilà. là là là, oh cette claque! Ah, oh, c'est magnifique, ça déchire. Salut William. Regardez-moi ça. Oh là là, la densité de la zone et tout. Allez, voilà, un peu comme ça. Alors là, elle est à l'envers là par rapport à nous, quoi. T'as le nord au sud. T'as le nord en bas. Regardez-moi C'est ça, ça. si c'est pas magnifique. Oh là là, ça sort tout de suite, hein. Ah. Alors, donc pour ta mosaïque, là, bon, tu fais des pauses de 3 minutes, mais t'en fais combien à chaque fois? Une fois. T'en fais une à chaque fois. Oui. Ah oui, parce que si t'empiles, si tu fais de l'empilement sur plus de 2000 champs, Ouais. bon, après je pense que voilà, on peut T'en automatiser as avec un pour des mois de software. traitement, mais ouais. Ouais, non, et puis non, une seule pause de 2-3 minutes, c'est bon. C'est bon. Par contre, il y a des doffs hein, à chaque fois. Il y a des. Alors, les flats à F2, c'est vital. Il y a du bias, il y a du dark. Ouais, d'accord. Mais voilà, mais en brut, il n'y en a qu'une seule. Alors, il y a Kuda qui dit, est-ce qu'il y a moyen de prendre le contrôle à plusieurs centaines de kilomètres de mon futur télescope avec Azir Plus en utilisant un PC par Internet? Bah oui, ça doit être faisable, Oui. effectivement, via cet émulateur et via
un truc comme ah mince, je sais plus ce que tu utilisais là pour te connecter sur l'autre PC, mais oui, il y a des moyens. Il Après, y a je des pense que si moyens, tu veux mais... vraiment faire un setup complètement remote et tout ça, il faut songer aussi à commander éventuellement une coupole ou des choses comme ça, à vérifier, à vérifier une détection automatique pour la météo et tout ça. Donc, je pense qu'il faut partir sur une Nina ou sur Prisma. C'est ça, et alors l'Asir, tu as un port RJ45, donc tu peux faire un pilotage comme ça par Ethernet, par câble. Après, comme tu dis, effectivement, il y a toute la notion de pilotage, enfin de du bâtiment, quoi. Ouais, et ça, l'Asir ne peut pas le faire du tout. Donc, ouais, effectivement, des softwares comme Nina ou les autres, ouais, c'est ça. Ah non, fabuleux. Christophe fait partie des astronomes amateurs élites. Ouf, je sais pas. Mais bon, l'important c'est de se faire plaisir, quel que soit son niveau, quel que soit son matériel, quelle que soit sa pratique. C'est un hobby et l'important c'est de se faire plaisir. Mais là, il est magnifique le champ que tu nous montres. C'est là où on voit Là, la il est vraiment densité sympa. de notre univers. Bon, ça nous donne quoi au niveau du RH là, un petit peu? Oh là là, il y a des petits Il est sabots et en tout ça. train de... on a le papillon. C'est Ah un bah tout voilà. petit papillon. On va terminer avec le papillon, mais garde celle-là quand même, et puis on va aller sur la fin, et puis on remettra ta vidéo de présentation de tout ça. Yes. Ah, le papillon est vraiment... Alors, il n'est pas grand, mais c'est lui. Effectivement. Là, c'est Vincent qui a le contrôle sur le RH. J'espère que vous n'avez pas de bruit parasite autour de moi. Non, ça va. Ouais, mais toi, tu n'entends pas par le même micro que les autres. Mais ouais. Ah, d'accord. En fait, j'ai mon micro Bluetooth qui va sur YouTube et toi, tu m'entends par le micro casque. D'accord. Bah, Cudacy, tu as plein de tutoriels sur Nina, en fait, sur YouTube. Et puis, tu as aussi la chaîne de Cyril Cavador. Je sais plus sous quel nom elle est. Enfin, t'as un épisode où j'ai interviewé Cyril Cavador et j'en parle et il a fait des tutoriels sur Prisma. Alors, mets-nous ça un peu en plein écran là, parce que là c'est un peu petit là, mais c'est vrai qu'on voit les différentes volutes de nuages, de nébuleuses obscures et tout. Le champ est vraiment magnifique. Déjà, quand tu débutes en astronomie, t'arrives à sortir ça, t'es déjà content quoi. Mais toi, tu fais ça en 3 minutes. Clairement, non, franchement, ça quand on commence, ça fait partie des cibles qui même après, hein, enfin, ça fait toujours plaisir de les voir, hein, la lagune et Trifide, c'est iconique. Alors, Que nous dit le RH? le RH, je sais pas, Vincent, du coup, si tu souhaites voir quelque chose sur la. C'est bon, bah on a Ok. l'insecte. Ok. Faut le mettre. Du coup, ouais, donc c'est un tout petit objet qui est dans le champ du RH, grand comme ça. Ah oui, c'est petit, oui. Donc c'est tout petit. Bah déjà dans le setup nomade, il était pas grand. Mais là, il est là, donc on voit bien les volutes, effectivement. Alors, Faut que si... tu règles les seuils là. Ouais. Alors. Mais je regardais Vincent, mais ça a pas l'air du tout d'être facile C'est à incroyable détériser. comment la Ça pollution sature lumineuse très peut vite. nous faire rater beaucoup de choses. Ouais, bah alors ça, je confirme, William. Tu disais quelque chose, Vincent? Ça sature très vite, donc Ouais. pas facile d'avoir quelque chose de bien visible. Ouais, non, je te voyais, effectivement, ça se comporte de manière un peu difficile à gérer. Ouais. Alors, je corrige juste. Non, l'interview de Cyril Cavador, c'est pas sur la construction de l'observatoire. C'est une interview vraiment un homme, deux astronomes, je crois, s'interview comme ça. Là. Et Cyril Cavador a développé le logiciel Prism Software qui permet de piloter un télescope en remote. Ah voilà, là tu commences à nous sortir les seuils. C'est vrai que là-dessus, il faudrait avoir des filtres gamma pour pouvoir ressortir vraiment les zones les plus sombres sans cramer le cœur. Mais c'est vrai que c'est beau. Ouais, c'est vrai qu'elle est petite celle-là. Elle est petite, ouais. Mais on voit la forme en tout cas, on voit Oui, on la les reconnaît. éjections là, je sais pas qu'on pourrait dire des deux côtés. Et bon, le centre sera cramé, mais ouais. Une petite nébuleuse du. Donc là, c'est une étoile qui a explosé, c'est ça? Celle-là?
Ouais. Ouais, c'est possible parce que vu la forme là comme ça en double cône, ça y ressemble beaucoup, ouais. Je regarde sur. Ah, je sais pas si Cyril Cavador a fait des photos sur des vidéos sur Nina parce que Nina est un concurrent de Prisme, donc ça m'étonnerait. Bon, bah écoute, là-dessus, tu nous remets sur la lagune et puis on termine le live. Hein. Oui. Et alors effectivement, c'est une nébuleuse planétaire, donc Ouais, c'est une nébuleuse planétaire, donc c'est effectivement la fin de la vie d'une étoile. Bah, ça a dû être et bien c'est cataclysmique, hein, celle-là, parce que là, ça a pété quand même pas ouais. mal. Ça. Ok. Yes. Voilà. Bah écoutez, chers amis, merci beaucoup, Maxime, pour m'avoir proposé ce live. Merci à Vincent aussi pour et puis à votre ami là anglophone, je pense, qui vous a prêté Xavier, le ouais. RH. Eh oui. Voilà, donc bah, vous pouvez retrouver Maxime sur le Discord de la communauté Astro, puis sur les différents groupes Facebook, et puis on espère avoir bientôt des nouvelles de ton projet. Donc, Oui, ouais. longue vie pleine de projets à tous les deux. Et puis à Merci tous, on Christophe va pour vous l'invitation. souhaiter, à tous une très très belle journée. Marathon de Messier pour ceux qui le font ce soir. Sur le Discord, bah, il y en aura certains qui seront peut-être en train de shooter, vous faire du visuel assisté, des choses comme ça. Donc, et en tout cas, voilà, moi je sais pas encore ce que fait trop le club. Je vais essayer de les bouger un petit peu et essayer de prendre mon courage à deux mains pour aller faire le marathon de Messier tout à l'heure. Voilà. Alors on vous embrasse tous. On vous souhaite à tous une très très belle journée. On termine simplement avec la vidéo de Maxime. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro et les différents réseaux sociaux. Donc là, ce que vous voyez sur cette vidéo de fin, c'est vraiment uniquement la preview. Du résultat du travail en cours de Maxime. Donc on avait dit quoi, plus de 2000 dalles offertes à Mosaïque de la Molette. Oui, c'est ça. Là, on est sur une estimation basse à 2000. Ça va être sidère. Salut. Salut, ce que lui, c'est la fin du live. Tous Ah merde, bientôt, on très va bientôt, arriver au revoir. Ah ouais, c'est vraiment la fin, c'est pas une blague. Très bon, 11h, t'es autant. Il était à 8h30, non, à 8h. ah ouais, mais à 8h il y avait une super émission sur RMC, oui, je vais y arriver. Moi qui regarde jamais la télé, ben là je me suis arrêté dedans. Allez, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci à tous pour votre participation.